Le plateau. Alors, le plateau est assez imposant. Est-ce que ça Est-ce qu'il rentre rentre sur ta mini table? sur ma table? Vas-y, tape le matériel. Casse tout. Je vais te casser la gueule. C'est pas très sympa ça. Waouh. Alors, attends, du coup, on va plutôt le mettre. Vas-y, casse tout. Fais tomber. C'est chiant, ça. Hop, on va être comme ça. Comme ça, vous voyez. Hein. Ah oui, ça fait un énorme plateau hein, sur la vidéo. Mais c'est en dehors. Surtout dans les souks. Ah, c'est les Ok. gens. Ah ben, c'est les gens. Écoute. Hein. Ça arrive. Que veux-tu? Alors, du coup, Andorre, qu'est-ce que c'est? Bienvenue à Andorre. Avec ces règles d'introduction, vous pourrez très facilement vous plonger dans la première légende, l'arrivée des héros. Dès la prochaine page, vous pourrez jouer votre premier tour important. Un joueur parmi vous devra lire à haute voix ce livre. Faites attention de ne pas sauter de paragraphe, vous pourrez passer à côté de détails importants. Amusez-vous bien. Avant la première partie, détachez délicatement tous les éléments. Donc c'est bon. Normalement, les clients l'ont fait pour nous. Oui. Donc il y a pas mal de choses. N'ayez crainte, ça va bien se passer. On va faire du tri après. Ah, des petits tours. Bah, du coup, c'était pas ça que je cherchais. Ils sont où les héros? C'est pas ça. Les héros? C'est pas ça là? Si, à moins que ce soit ceux-là. Ah oui, voilà, si, c'est eux. C'est bien eux. Je les avais vus à travers le sachet. Le sachet. Le sachet. Tout le sachet. Alors, ça c'est pour. Je sais plus. C'est pour là-bas. Oui. Alors. Donc, chaque joueur incarne un héros d'Andorre et va vivre de grandes aventures. Chacun choisit un personnage et pose la fiche devant lui à côté. Du côté qu'il veut, héros ou héroïne. Parce que du coup, oui, vous pouvez incarner un héros ou une héroïne. Ils ont fait les choses bien. Un jeu en avance sur son temps. Exactement. Dis-moi, c'est qui les Je vais aller manger, je vous laisse vous amuser. Des bisous les petits, ça marche. Bisous bisous Adam, bon appétit. Bisous Adam. Tu vas faire un tagine, tu vois. Alors du coup je vais vous lire un petit peu. Bah y a que 4 rôles hein, donc on va devoir se partager ces 4 rôles. Les walls. Les Donc on walls. a. Du coup, suivant le fille ou garçon, ça change de prénom. En tout cas, on a un magicien ou une magicienne du Nord, rang 34. On a Attends, parce qu'il un nain ou une il... naine de la mine sans fond, rang 7. On a la magicienne, mais on n'a pas le magicien par contre. Si c'est pas lui, là. C'est pas. Ouais, il nous manque un personnage. Au pire, c'est pas grave. On va oui, regarder, il doit être il est ailleurs. là, il est là. Ah non, Ah, bien. c'est Ah, le bah. deuxième perso. Il y a Thorn, le guerrier ou la guerrière des plaines d'Andorre, au rang 14. Magicien, magicienne. Guerrier, c'est lequel? Ou l'archer des bois de la vigilance, au rang 25. Qui voulez-vous incarner? Moi, je vais à l'archer. Tu veux l'archer ou l'archère? Tu choisis. Tu peux tourner la plaquette. D'un côté, c'est la fille, de l'autre, c'est le gars. Pasco ou Pascal? Nul! Shada. Pasco. C'est eux là. Ouais. Il y en a deux ou un? Non, tu prends que un pion, hein, du coup, Ouais. tu prends Parce qu'en fait, la si pion tu veux, fille ça, c'est garçon. le gars. Et Ouais. ça, c'est la fille. Comment tu vois? Parce que lui, il a un torse. Et elle a des boules. Attends, c'est pas très visible. Voilà. Les boobs, ça fait tout. Moi, je vais prendre le nain. Le nain. Le nain. Donc le nain, il s'appelle Kram. Crame. Le nain de la mine sans fond. Voilà, j'ai mon nain. Et donc moi, je suis soit le magicien, soit le guerrier. Je Bah vais prendre la dites-moi, fille quand chat, même. est-ce que vous avez une préférence, magicien ou guerrier? T'as pris qui? Dites-moi ce que vous Bah, préférez. la fille. Parce que c'est plus stylé. C'est tout.
Et donc, avec votre personnage, vous pourrez prendre aussi les dés correspondant à leur couleur. Donc, par exemple, archer, c'est vert. Hop, voilà. Il y a deux petits pions ici de la même couleur. Pouette. Tu as choisi quoi du coup, Pouette? Pouette. Moi, j'attends que le chat me réponde s'ils veulent. Si le chat répond, hein, après. Hein. Si le chat. On verra si le chat répond. Et aussi un petit carré. Ici, un petit cube correspondant, voilà. Donc, le pion, tous les dés, les deux disques et un cube correspondant à son personnage et à sa couleur. Remettez les dés, les fiches, machin, on s'en branle. Bien sûr, toujours également les héroïnes. Oh là là, remarque, un texte dans lequel le mot héros apparaît concerne bien sûr toujours également les héroïnes. Pour pas d'amalgame. Et oui. Préparation du jeu. Placez le bateau au milieu de la table de façon à ce que tout le pays d'Andorre soit visible. Posez les 7 grandes tuiles face bleue visible, puis etc. Ok. Hop. Alors on va mettre de côté. Qu'est-ce que c'est ça? Ça je ne sais pas ce que c'est. On va mettre de côté. Pouette, il manque un dé rouge. Bah j'ai aussi qu'un. J'ai que 3 dés jaunes. Il n'y a que 3 dés rouges. Ah, je sais pas si c'est fait exprès. Si c'est fait exprès. Garde sur les fiches. Ah oui, ok. Ça va alors, tout va bien. Et il y a que un des violets, ok, c'est bon. Tout va bien, c'est bon. C'est le bon délire. Juste si vous l'avez pas qu'il manque déjà des pièces, ce serait chiant. Surtout que c'est pas notre jeu. Effectivement. Ah, la tuile. Y a personne qui est rouge. Je sais pas pourquoi il est rouge. Peut-être pour les ennemis. Plus tard. Rouge, c'est peut-être un ennemi. C'est les méchants. Ils sont où les méchants? Alors, on range les pièces superflues. Oh là là, pouette. Tellement d'options. Bah, du coup, le chat est mort. Je vais prendre. Je sais pas, vous préférez. Que je prenne quoi? On a un archer, on a un nain. Mon nain, c'est un peu style guerrier, je pense. Je prends un magicien. Magicien. De toute façon, t'es un magicien, non? Effectivement. Eh oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je suis qu'un magicien. Vas-y, fais tout tomber. Et dans l'ombre, je monte mes crocs un peu comme un chien. Des fois, quand je joue ma gueule, on pourrait me prendre pour un divin. Qui sait même pas quand il vient. Alors, au niveau des prénoms, qu'est-ce que c'est? Eara ou Lifardus? Lifardus, il me dit bien. C'est Lifardus, mon gars. Effectivement, c'est pas flagrant, hein. Fille garçon. Bah imagine mon nain il s'appelle Kram et la nain elle s'appelle Briga. Très bien. Donc c'est un peu plus ça change un peu plus au niveau des noms. Très bien. Alors, du coup, donc placer le plateau au milieu, si on s'en fout. Ah oui, placer les tuiles. Donc les tuiles là. Pouette. Donc ça va être les objectifs. Alors c'est un peu comme c'est un peu comme un jeu de rôle. On a des objectifs à remplir, tout ça, on doit passer par des endroits pour parler avec des gens, tout ça. Et donc, pour simuler du coup les objectifs qui sont présents sur la carte, sur le plateau, il y aura donc des tuiles comme ceci. Et donc par exemple, le puits, il est sur la case 5. Donc la case 5, où est la case 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a un puits. Après le puits, il y a le brouillard. Le brouillard. Il y en a 3 des brouillards. Donc, le brouillard 11, 12, 13. Hop. Le trésor.
de valeur 1 sur la case 20. Le trésor de valeur 2 sur la case 17. Et le marchand 18. Voilà. Tous les joueurs placent un de leurs disques sur la case levée du soleil. Donc ça c'est le lever du soleil. Chaque joueur pose son pion sur une de ces cases. Le nain sur la 43. Le guerrier sur la 25. On se fout. L'archer sur la 53. Et le magicien sur la 9. C'était juste à côté de où j'étais. Ah ouais, c'est logique comme jeu d'unité. Savoir où on se bloque. Oui, tout à fait. Placez les pièces d'or à portée de main près du plateau. Il y a de l'or. Vas-y, plutôt plaisir. Merci. Classez les cartes de la légende 1, l'arrivée des héros, par ordre alphabétique. On va mettre une musique qui est plus raccord avec aussi le jeu. Sinon on est encore en mode zombie. Ouais, donc ça c'est bon. Passer à côté, machin. Les deux cartes fin de combat, machin bidule, sont. Ok. Wait. Alors, du coup, c'est ça qui va nous faire le jeu. C'est les différentes cartes ici. Et on va pouvoir. Hop. Wait. On va pouvoir devoir faire tout ça pour passer après à la légende 2, etc. etc. Donc, ça se découpe un peu comme des jeux de rôle, un peu comme des scénarios de jeux de rôle. Du coup, à chaque fois, il faut que tous les trois on fasse ça. C'est-à-dire ? Genre, c'est tous les trois ensemble qu'on peut. Oui, tout à fait. Okay. C'est vraiment un jeu en coopération, c'est vraiment du jeu de rôle. Tout à fait. Donc, on va changer juste de playlist parce que, bon, les musiques de zombies, ça va bien. 5 minutes. Je crois que tu peux checker, je crois qu'il y a une playlist Under Order. Ah bah tiens, on va regarder. Andorre. Ah bah voilà. C'est pas de l'ambiance. Ok. Alors. Petit 1. La fiche de héros. Elle indique les différentes caractéristiques du héros et de son équipement. Vous avez donc l'équipement. Oula. La musique qui excite. Tellement. Donc on a l'équipement. L'équipement il est représenté là sur votre personnage, les emplacements vides. Donc on n'a pas encore d'équipement, mais ça pourrait venir. Donc au cours du jeu, les héros récupèrent des objets et chaque emplacement ne remplace. Chaque emplacement ne peut accueillir qu'un seul objet, pardon. Point de force. Donc le point de force, c'est ici. Okay. C'est l'échelle ici. Donc au début, tous les héros ont un point de force. Chaque joueur place son cube sur la piste de points de force de sa fiche pour indiquer le nombre de points de force dont dispose son héros. Ces points de force servent de bonus pendant les combats. La bourse. Ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, la bourse, c'est ici que vous placerez vos pièces d'or et plus tard vos pièces précieuses, vos pierres précieuses. Il n'y a pas de limite. Le rang. Donc en dessous de votre nom, votre classe, il y a le rang. Chaque héros a un rang qui servira à déterminer l'ordre de résolution de certaines actions. Capacité spéciale. En dessous, chaque joueur se présente à ses camarades de jeu et lit à haute voix la capacité spéciale de son héros. Le sens des diverses capacités spéciales se révélera au cours de la partie. Point de volonté. Donc avec les dés, c'est les points de volonté. Chaque joueur... au début de tous les... Au début, tous les héros ont 7 points de volonté.
Chaque joueur place son disque en bois sur la piste des points de volonté de sa fiche pour indiquer le nombre de points de volonté dont dispose son héros. À gauche est indiqué le nombre de dés qu'il pourra lancer lors des combats. Tout simplement. Et donc suivant les points de volonté que vous avez, si vous avez moins de volonté, du coup vous avez moins de dés. Si vous avez plus de volonté, vous avez plus de dés. C'est logique, enculé. Hop. Et hop. Voilà. Donc on va faire un petit tour de table déjà pour vous présenter nos personnages. Regardez pas comme ça. Honneur aux dames. Okay. Et aux plus jeunes. Effectivement. Du coup, moi, c'est Shada. Je suis archère du bois de la vigilance, rang 25. Ma capacité spéciale, lors des combats, je jette l'un des dés, l'un après l'autre. Après chaque lancée, je décide soit de m'arrêter là, ou soit de garder le dé, soit de faire un autre lancer du coup. Seul le dernier dé sera pris en compte et je pourrai toujours attaquer une créature d'une case adjacente. Mais oui, c'est clair. Je peux répéter la capacité spéciale. Oh merde. Parce que je l'ai pas compris. Bon, je vais la mettre comme ça parce que je la vois pas très bien. Donc, tu peux retirer aussi ce qu'il y a dessus et remettre après. Hein. Oui. C'est... On a dit retirer, pas le jeter, c'est un immonde caca. Alors, lors des combats, d'accord, je jette mes dés l'un après l'autre. D'accord. Et après chaque lancer, je déciderai soit de m'arrêter là et de garder le dé. D'accord. Soit de faire un autre lancer. D'accord. Seul le dernier dé sera pris en compte. Le dernier dé que j'aurai lancé. D'accord. Et après, je pourrai toujours attaquer une créature d'une case adjacente. D'accord. Ok. C'est bon là, cette fois Tu peux répéter? Non, tu n'avais qu'à écouter. Je pense que tout va d'accord. Bien. C'est quoi? Je pense que tout va bien. Ça va alors. Tout va bien. Oh, alors le nain. Ah là là, ça trash talk directement le joueur français. Nous est-ce t'écoutons. Est-ce que ton perso c'est un elfe? Non, quel dommage, c'est une archère. Pas. C'est une archère. On peut dire que c'est un elfe. Ce sera un elfe pour moi. Je préfère être une elfe que ouais. qu'un nain. Du coup, je suis Kram, nain de la mine de sans fond, de rang 7. Ma capacité spéciale, les points de force que vous achetez à la mine des nains vous coûtent une pièce d'or chacune au lieu de deux. C'est parce que c'est les copains, ils font des listons, tu vois. Ah mais toi t'es tout le temps dans ça, dans le je négocie, toi. Moi tout déjà, c'est le, important. Déjà le dernier JDR, j'avais pris un marchand, j'étais en mode. Alors, je te rends la dague, mais... si et seulement si... Ah. Et du coup, moi je suis Lifardus, magicien du Nord, rang 34. Ma capacité spéciale, si vous voulez bien l'entendre. Eh bien, lors des combats, je peux retourner mon dé, après l'avoir lancé, pour le placer sur la face opposée. Ainsi, un 1 devient un 6 par exemple. C'est magique. Lors d'un combat en go, vous pouvez retourner un dé d'un autre héros au lieu du vôtre. Intéressant. C'est magique. Voilà. C'est parce que tu es un magicien. Je suis qu'un magicien. Et dans l'ombre. J'ai mon micro. Un peu comme un chien. Oh là là, vous êtes bon. Ces gens qui connaissent la musique. Tout à fait. Alors. Donc. Tour de jeu d'un héros. Les héros dont le tour réalise dont c'est le tour réalise toujours une action, une seule action. Je lis en diagonale, du coup c'est n'importe quoi. Hein. Donc le héros dont c'est le tour réalise toujours une seule action. Après cela, c'est à son voisin de gauche de jouer. Dans la première partie du jeu d'introduction, vous découvrirez l'action se déplacer. Un héros peut se déplacer pendant son tour d'autant de cases qu'il le souhaite. Important. On ne tient pas compte des flèches représentées sur les cases lors des déplacements des héros. Vous avez remarqué effectivement sur le plateau qu'il y a des petites cases. Hein, qui... Ouais. Ah non, mais d'autant de fois, c'est mon cas. Genre, je suis là. Si je veux aller là, je peux. Oui. C'est cheaté. Enfin, c'est bien, mais... Donc, chaque case empruntée par le héros coûte une heure sur la piste du temps. Ah. Le héros avance sa pierre du temps d'autant d'heures que de cases qu'il a franchies lors de son déplacement. Ah.
Dans la première partie du jeu d'introduction, les héros ont choisi, ont chacun 7 heures au maximum à leur disposition. Ok. Donc on peut se déplacer que de 7 cases. Ah, c'est moins cheaté. Quand même. Si un joueur a dépensé toutes ses heures, seuls ceux qui ont encore du temps continuent à jouer. Lorsque tous les joueurs ont dépensé toutes leurs heures, le tour prend fin. Si un joueur termine son déplacement sur une case avec un jeton, celui-ci est activé et on applique tout de suite son effet. En même temps, je fais l'hôtesse de l'air. Exemple, le magicien se déplace de deux cases et s'arrête sur la case 11 sur laquelle se trouve un jeton brouillard. Sa pierre du temps est avancée de 2 heures sur la piste du temps. Il doit aussitôt retourner le jeton brouillard et applique son effet. C'est maintenant à son voisin de gauche de jouer. Plusieurs héros peuvent se retrouver sur la même case. Passer. Si un joueur ne veut rien faire pendant son tour, il peut passer. Dans ce cas, sa pierre du temps est avancée d'une heure. C'est maintenant à son voisin de gauche de jouer. La partie commence. Les héros jouent en coopération, ce qui signifie qu'ils gagnent ou perdent tous ensemble. Un joueur lit maintenant à voix haute la carte légende A1, l'arrivée des héros. Accomplissez toutes les missions présentées sur les cartes avant de passer au point 4 et de lire la suite de ces règles. L'arrivée des héros, jeu d'introduction. A. Alinéa B. Cette légende comprend 12 cartes. Il a passé de toi sur cette carte. Si tu me fais, je t'aide. Ça va se passer. Vous vous moquez de moi sur le chat. Vous avez changé, effectivement. On est sur un autre jeu, du coup, on a une autre ambiance complètement. Tu vas voir. C'est génial. On arrête de se foutre sur la gueule maintenant. On est en coopération. N'est-ce pas, Anaïs? L'épi de maïs. Les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Le prince Thoral était de retour. Il amenait avec lui les héros les plus courageux de tout Andorre. Je crois que c'est nous. C'est pas de la merde. Je suis resté à la maison. Dans cette première partie du jeu d'introduction, les héros doivent accomplir 4 missions avant que la véritable aventure ne commence. Les missions sont les suivantes. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Au moins un héros doit acheter chez le marchand un point de force. Pour cela, il a besoin de 2 pièces d'or. Mais je pense que du coup, moi avec ma capacité spéciale, faut que je les achète à la mine. Parce que la mine est considérée comme un marchand. Parce qu'il a le logo du marchand. Malheureusement. Se rendre là. D'accord, ok, pas de soucis. Un héros doit visiter le puits. Enfin, un héros doit terminer son déplacement dans le château. Bon, ça va, on devrait s'en sortir sur ce début de partie. Toutes les missions peuvent être remplies en terminant son mouvement sur la case correspondante. Le héros au rang le plus bas, voire la fiche des héros, commence et pose sa pierre du temps sur le coq de la case levée du soleil pour indiquer qu'il commence le premier la journée. Donc, qui est le rang le plus bas? Je suis 7. Je suis 25. Je suis 34. 34. Donc, c'est le nain qui commence. Alors, du coup, au pire, on va essayer de se répartir peut-être les tâches. Effectivement. Ce n'est pas bête. Il faut 2 pièces d'or pour acheter ouais. Un point de force. Il faut juste un point de force, c'est ça? Oui. Il faut juste qu'un héros doit acheter chez le marchand un point de force. Pour cela, il a besoin de 2 pièces d'or. Ça marche. Bah, au pire, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais aller chercher le trésor. Là. Ensuite, du coup, ce sera quelqu'un d'autre de jouer. Et j'irai chez le marchand ensuite acheter le truc. Ce sera ton tour, Pelux. Non, ce sera d'abord l'épi de maïs. Ah non, parce que c'est le joueur de gauche. Ah c'est vrai, pardon. Ma gauche est là. Oui, non, mais moi j'étais encore avec le rang. C'est à Gizmo? Gizmo. Gizmo du V. Il est où? Il est caché. Pollux, tu ferais quoi toi? Comme quête. Alors du parce coup... Que toi t'es bien placé pour faire plusieurs trucs. Quoi, ouais, ben moi je peux faire... Alors,
j'allais dire le brouillard, mais en réalité c'est plutôt Maïs ouais. qui irait ouais. au brouillard. Moi je peux aller visiter le puits ouais. et le château. Ouais. Assez simple. Hein. Si tu y arrives, peut-être essayer de récupérer le trésor là avec, ça fait toujours une pièce d'or. Ouais. Ouais. Ok, bon bah du coup je vais récupérer le trésor pour commencer, donc ça fait 1, 2, 3, 4 cases. Tac, donc on peut m'avancer le pion à 4. Si un héros termine son déplacement sur cette case, il reçoit 2 pièces d'or à la réserve, la tuile où est tiré du jeu, c'est au héros suivant de jouer. Ah, Odella. Ah. Ah. Oh, j'ai entendu, j'ai cru que c'était Aude qui parlait, mais non, c'est... j'ai entendu, ah, j'ai eu peur. Bah du coup, ouais, vas-y, si, je suis là qu'elle dit. Parfait, nickel. Allez, hein. Bah du coup, on fait une petite AFK, on revient. Et on est de retour, les potes. Ouais, retour pour jouer un mauvais tour. Voilà, on est bien. Abdullah. Tu veux que je te mette le micro aussi? Alors, si tu parles, ça donne quoi? Je sais pas. Voilà, c'est bon. On t'entend bien. C'est parti. Alors, je vérifie juste que tu sois. Même. Prête un petit peu plus là-bas. Ouais, parce que je t'entends pas des masses aussi. Hein. Alors, t'es ici. Là, si je fais ça, ça va mieux. Un petit peu, ouais. Mais il y a la musique qui monte du coup. Du coup, j'entends plus la musique que vous. Bah, la musique est pas très forte en vrai. La musique est pas très forte en vrai. Au pire, on va parler plus fort comme ça. C'est moi qui m'entends. Beaucoup de séances d'ASMR aujourd'hui. Ouais, c'est de l'ASMR, de l'ASMR pour tout. Alors, du coup, donc on était au niveau de la planification de la congolexicomatisation déjà du marché. Donc, on fait que faire ça. Ouais. Donc moi j'avais récupéré le trésor, c'est à toi de jouer Punk. Ok, du coup moi l'objectif c'était que je récupère, que j'aille au puits. C'est ça. Ouais. Ah, j'ai barré sur mon micro. Que, bah, que t'ailles au puits et que tu finisses, que tu finisses dans le château. Pète, alors, bon. Comment tu m'affiches en live? Je t'aime beaucoup. Alors du coup donc un héros doit vider le puits, donc je me charge du vidage de puits. Donc du coup... c'est une case ça ou pas? Non, par contre, je peux passer par le château. Ça, je sais que je peux passer par le château. Le château est considéré comme. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Du coup, tu dois retourner et faire les consignes. Tout à fait. C'est Andorre. Le pays de Andorre. C'est un peu un jeu de rôle, mais du coup, un jeu de rôle sur plateau. Ok. Du coup, si un héros termine son déplacement sur le puits, il gagne aussitôt 3 points de volonté. Retournez cette tuile et suivez les consignes au verso. Donc les points de volonté. 1, 2, 3 du coup. Le puits est désormais vide, c'est au héros suivant de jouer. Merci Ponku. Ouais, c'est à moi et je pense que je vais aller au brouillard. Il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul brouillard sur lequel je vais aller. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Donc t'es pas obligé de les, tous les retourner, mais d'en retourner au moins un. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je te donne la délire. Il doit le retourner aussitôt, suivre les consignes, ok. Brouillard, vous gagnez une pièce d'or, la tuile est retirée du jeu. C'est au héros suivant de jouer. La tapis. C'est bien d'aller dans le brouillard. T'as gagné de l'argent? Oui. Ouais, d'accord. Une petite pièce. Très bien. Faut juste qu'on décale du coup Maïlis en. T'as bougé 3 cases, hein, je crois. Ouais. Je vais mettre à côté du tube.
Ok, donc là on a fait le brouillard, on a fait le puits. Donc moi je vais aller acheter les points de force. Effectivement, au marchand. Ouais. Acheter les points de force. Donc du coup juste un, voilà. Si un héros termine son déplacement sur une case avec le symbole marchand, il peut acheter des points de force pour 2 pièces d'or chacun. Donc je dépense mes pièces d'or, là. Parfait. Et j'ai gagné un point de force. Voilà. Et du coup, c'est au héros suivant de jouer. Donc on réfléchit. Si je vais chercher le trésor, j'en aurai encore pour 2 heures. Et j'en aurai 2 heures de plus pour aller au château. Donc ça me ferait 7 piles. C'est ça. Donc on est bon. Maëlys, à la limite, si elle continue de récupérer ce qu'il y a dans le brouillard, ça peut être worse. Faut qu'on finisse tous dans le château ? Non. D'accord. Un seul. Un héros doit terminer son déplacement dans le château. Donc moi ça me ferait pile, donc effectivement je peux le faire. Ouais. Et Maëlys, du coup tu peux continuer à vider les brouillards. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Ok. Donc let's go. Y a pas un truc par contre avec les brouillards ? Ça te fait pas augmenter ton temps ? Je crois qu'il y avait peut-être un truc du genre. Il n'y avait pas genre, faut que tu en 2 heures. Tu veux vous parler dans l'exemple du magicien qui se déplace de 2 cases, s'arrête sur la case 11 sur laquelle se trouve un jeton brouillard, c'est ça ? C'est ça. Bah en fait oui, il avance de 2 heures puisqu'il s'est déplacé de 2 cases. Ah d'accord, c'était juste ça. Ouais, je croyais que c'était 2 heures rajoutées parce que c'était dans le brouillard. Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est bon. Bon bah du coup on est là. On est large, du coup je vais récupérer le trésor. Bah j'ai juste eu un en fait. Je suis un peu teubé, moi je vais faire ça, mais en fait c'est... Ah mais non. Ah deux. Deux. Donc, bon, ouais. Et tu peux récupérer une pièce. Tu peux parler aussi dans le micro pour exprimer tes volontés. Quel bel homme. J'ai une pièce. Donc si un héros termine son déplacement sur cette case, il reçoit une pièce d'or, tu es retiré du jeu. Héros suivant de jouer. Héros suivant. Alors, brouillard, vous gagnez 2 points de volonté. La tuile est retirée du jeu, c'est au euro suivant de jouer. Nickel, donc du monte à 9. Impeccable. Bah moi je vais aller... Qu'est-ce que tu fais ? Je vais me balader, hein, je vais aller là. Du coup, moi ça fait 1. Voilà. On peut m'avancer de 1, puis fini. Il fallait retourner le truc ? Non, il reste, je crois. Ah oui, c'est aussi... Ouais. Du coup, toi tu peux retourner au château. Ouais. Sinon, tu pouvais pas aller trop loin avec ton chat. Donc, du coup, moi, 1, 2. Et je vais au château. Et du coup, il te reste encore des points, tu peux aller encore au brouillard. Hein. Bah, ouais. Ce que je compte faire. Hop. Et du coup, vous gagnez un point de force. Impeccable. La tuile est retirée. Très bien. Ah, j'avais pas eu le suite de la mission. Ok. Ah, non, c'est vrai, c'est juste note le château, case 0. 0. Peut-être traversé comme une case normale. Les héros ne peuvent pas s'arrêter sur le fleuve. Il ne peut être traversé qu'en utilisant un pont. Les ponts ne sont pas considérés comme des cases et ne sont donc pas comptés lors du déplacement. Chaque héros a seulement 7 heures à sa disposition. C'est pourquoi vous devez discuter avec les autres héros pour savoir quelle mission chacun doit remplir. C'est ce qu'on a fait. Mmh. La première partie du jeu d'introduction se termine lorsqu'un héros termine son déplacement sur la case château à 0 ou si tous héros ont dépensé à masse. Du coup, bon, c'est pas grave. À partir du moment en fait, où on s'arrête sur la case château, la partie est terminée. C'est pas grave. On triche. Si toutes les missions étaient remplies, vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Veuillez maintenant poursuivre la lecture du quatrième point à la page 2 du livret de règles d'introduction. Il est bon ton biscuit.
Félicitations, vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Les héros sont arrivés et vous connaissez maintenant les règles les plus importantes. Vous conservez pour cette deuxième partie toutes vos pièces d'or, vos points de volonté et vos points de force. Tous les héros placent leur pierre du temps sur la case du lever de soleil. Les héros, le héros qui est arrivé au château pose sa pierre du temps sur le coq pour montrer qui est arrivé le premier qui donc ça sera le premier à jouer lors du prochain tour. Enlevez tous les tuiles, puits, marchands, or et brouillard qui restent sur le plateau et remettez-les dans la boîte. Elles ne sont plus utilisées dans cette deuxième partie. Dakoshun. Bitoshun. La mienne est mieux. Préparation supplémentaire pour la deuxième partie du jeu d'introduction. Suivez les instructions suivantes dans l'ordre. Placez un jeton puits côté gris visible sur chacune des cases. Puits 5, 35, 45, 55. Il y avait un puits ici. J'ai des interférences ici. Ouais. Tu les entends toi aussi les crépitements là ? Ouais, je... C'est le téléphone. Je vais les éteindre, comme ça on est sûr. Parce que je les entends depuis tout à l'heure et je me dis, mais est-ce que c'est que moi ? Non mais pareil. Du coup j'osais rien dire, tu vois. Même, j'en ai marre. Mais tout à l'heure c'était mon téléphone qui faisait les interférences. Moi il est éteint. Est-ce que ça serait pas le mien? Comme de par hasard. Non ouais, je pense pas. Ça fait pas plus d'interférences. Non je pense pas là où il est, ça m'étonne. Je sais pas. Heureux. Il y a quelqu'un de plus. Hello, effectivement. Donc c'est Chiro. Oui, c'est Chiro, tout à fait. Donc tu peux voir un visage sur un pseudo. C'est Chiro, et donc c'est ma copine, tout simplement. Je suis cachée dans un. Voilà. C'est vrai que les crépitements, du coup, on les avait plus tout à l'heure, et puis... À mon avis, il y a un truc. Tu veux quand même que j'éteigne mon tel ou pas ? Éteins, on va. Je vais mettre en mode avion. Voilà. C'était celui de Pierre. C'était bien, j'ai passé en mode avion. Ah non. Non, t'en... C'est le tien ? Je crois que c'est tous nos téléphones. Il y a moyen. Bah ça le fait moins déjà. Tu veux que je mette le tien aussi en mode avion ? Vas-y, si t'arrives. On teste des choses, hein, les gens. Je me disais aussi. Son téléphone il demande un milliard de mots de passe et 12 autorisations. D'habitude il demande juste le mot de passe. Une demande écrite express du ministère. C'est ça. De la magie. Hein. Quelle violence, qu'est-ce qui se passe ? Je peux être à côté de toi. Ah, j'ai pas tout cassé la gueule. J'ai vu qu'il t'avait envie de travers. Non. Tout va bien. Du coup, donc les puits vides. Donc il m'en faut des autres. Donc on va voir s'il y en a d'autres qui sont disponibles. Passe-moi les cacahuètes. Non. Et nous on est tournés et toi on entend ça. Non, bon, d'accord. Attends, je me réveille. Ah mais c'est les... c'est pas les comme ça. 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 Dankeschön. Moi je m'étouffe. Par contre... Tu as besoin d'un coup. Ah non non j'ai mal au dos depuis. On est vus. Il me tape, j'ai mal au dos en fait. Comment ça se fait ? Ça avance de rester comme ça ? Elle est on vieille. Reste les droites. Je respire bleu par contre. On va te muscler ton dos, tu vas voir. D'accord, on jette. Laisse-moi le micro loin. Parce que si on m'entend, c'est pas drôle. Ah. Et du coup le but du micro c'est qu'on t'entende. Ouais, mais après, j'ai pas envie qu'on m'entende trop fort non plus. Vu qu'apparemment, je hurle quand je parle. Qui dit ça ? Tout
tout le monde. C'est faux. Ça fait moins d'interférences là depuis qu'on a tout mis nos téléphones en mode. Moi je l'ai éteint complètement comme ça. Ouais, mode avion, ça émet plus rien non plus donc. T'as besoin d'un coup de main d'où ? Bah écoute, je cherche les puits. Ça ressemble à quoi ? C'est ça. Bah déjà, ça a pas une forme qui est là-dedans. Bah oui, mais je ne sais pas où ils sont. En fait, il y a tellement de petits trucs dans ce jeu aussi. Là-dedans, ça a pas une forme non plus. Et là-dedans, c'est que des persos, je crois. Des dragons, machin. Ça, c'est des cartes. Bizarre plutôt qu'étrange. En tout cas, t'en as pas dans le... On nous a volé les puits. C'est tout petit ou pas ? Ben je sais pas, j'ai pas l'impression. C'est peut-être ça, peut-être la taille là, tu sais. Ouais, mais ça a pas une forme. Et t'aurais pas mis des paquets un peu partout ? Ben je me pose la question. Que personne ne sorte, on a volé les puits. Cette voix. Et je tombe puis côté gris visible sur chacune des cases. Donc il doit en avoir 4. On va retrouver 4 petits trucs quoi. Il y en a vraiment pas là-dedans. Bon, Alice, on sait que c'est toi. Prends les puits. Pourquoi moi d'un coup Parce que tu veux tricher comme la partie d'avant là. Ouais. Comment ça j'ai triché. Oh là là. Qui a triché ici ? Personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais mon frère à chaque fois qu'il part des comptes moi. Par contre, elle a pris un giga coup de karma. Ouais, elle a pris un coup de karma, donc c'est bien fait pour elle. Incroyable. Bien non, pas dans le jeu après. On va construire des puits, hein, au pire. Hein. Bah écoute. Prends une feuille de papier, dessine un joli puits. Mets des cacahuètes, tu diras que c'est des puits. N'importe quoi. Mais au pire, prends des trucs au pif et tu dis que c'est des puits. Bah oui. Je pense que tu vas pas voir le. Ah! Est-ce que je t'avais dit de regarder si t'avais pas mis d'un côté des trucs ou pas ? Est-ce que tu l'as fait ? Non. Oh, ne serait-ce pas un puits ? Est-ce que je lui avais dit de regarder s'il avait pas mis un paquet à côté ? Mais c'est dans l'argent. Qui a mis ça dans l'argent ? Bah ils sont là en tout cas. Je t'avais dit de regarder à côté. Tu m'écoutes pas. Ah, j'ai tout bougé. Attends, il faut que je tire. Je tire. Je tire. C'est de la bonne. T'as trouvé un puits. Là j'ai un puits. Deux puits. 5, 35, 45, 55. Et là 35. Bah, c'est bon, il y a les 4 alors. Tac. C'est bon. Je te l'avais dit. C'est pas mon fil là. C'est toi, tu mets ton fil partout. Tu l'as pas bien mis. De là où j'étais, il avait l'air bien. Ouais. Il avait l'air bien. C'est une face grise. Ah. Déjà. Ça commence bien. Je récupère l'argent. Au voleur. Au voleur d'argent. Argent, mon enfant, à manger. S'il vous plaît. Pour mon enfant. Non, mais vous, c'est folle celle-là. Mais c'est ça en plus, c'est pas vrai. Ou sinon, t'as les gars. 2 euros. Pas cher, ouais, pas cher. 2 euros. Alors. Du coup donc placer les puits, donc on a bien tous les puits, donc c'est 5, 35, 45, 55. Pourquoi tu le places pas celui-là ? Bah parce que je vois pas le 55. Parce qu'il est là-bas. Bonne. Et on va en avoir besoin de ce qu'il y a. Là ! Ouais, je te le mets. Dankeschön. Elle veut te la mettre. Miley c'est une mamie. Alors. Non mais ça a craqué. D'ailleurs en plus elle a mis son petit pull en mode châle. Mon petit pull, mon suit il est beau déjà, mon hoodie. Alors, il faut mettre proche du plateau le jeton croix rouge. Croix rouge. Parce que la croix rouge elle est passée partout, par ici. Elle, hein. Là, c'est en cas de blessure pendant la partie. Ah, oui, t'as oublié ça. C'est quoi ? C'est un jeton créature ? Exactement. Ça ressemble quoi ta croix rouge ? On va en avoir besoin après. Ah, d'accord. Ça, je vais laisser dehors. Ça ressemble à quoi ta croix rouge ? C'est une croix rouge. Ouais, c'est ça. Enfin, oui, rouge brun. Y en a qu'une ? Oui. Bah, je l'ai trouvée tout pile. Attends, j'ai peur de la perdre. Donc du coup la croix rouge, après on met à disposition près du plateau un jeton parchemin. Sa valeur n'a pas d'importance. T'as un cochon, est-ce que t'as une sorte de parchemin ? Je suis une créature. C'est pas nouveau. Genre ça ? Oui, c'est comme ça, attends. Jusqu'à s'il le voit. Placer le jeton étoile sur la case B. Étoiles, ils sont là. Tiens.
on a des petites proutes à faire. Donc. Mais t'en as une autre, quoi. Ah bah j'ai besoin des étoiles aussi. Des étoiles là. Ouais, les étoiles rouges. Bah faut me dire. Ah bah je viens de le lire. Ah mais je savais pas que c'était ça. Alors il m'en faut combien? Je sais pas. B, C, D, F, H et N. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut donc encore une. Non, encore deux. Oui, tu sais pas compter. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de faire vos bilvesées et me mettre ces petites étoiles? Oh merde. Merci. Donc, il... oui, enfin, pour l'instant. Il faut mettre pour les étoiles le du coup sur B, C, D, F, H et N. B, C, D, B, C, D, F, H et N. F, H et N. H et N. B, C, D. B, C, D, F, H et N. Yen. Il y en manque qu'un. Non, il y a déjà mis. Non, c'est là-bas, ok. Tout va bien. Et donc, placez la pile de cartes événements. Posez la carte avec la flèche verte face cachée sur le dessus de la pile. Les cartes événements, c'est les petites cartes là. Celle-là là. Oui. Ça. Il y a 3000 trucs dans ce jeu. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est cool. Non, je la twist, hein. Ça y est, elle a bu. Non, c'est vrai qu'il est, elle est bien faite, la carte. Bah, ça fait vraiment penser ça à du jeu de rôle. Ça fait vraiment JDR, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, les cartes événements. Par contre, j'ai plein de cartes. Je sais pas si. Je pense pas que c'est tous des cartes événements. Est-ce que vous pouvez m'indiquer les cartes événements, s'il vous plaît? À quoi ressemblent les cartes événements? Peut-être sur l'autre paplard, il y a marqué. Ouais, elle est pompette. On l'a perdu. T'as mis quoi dans le thé? De la choucroute. C'était donc ça. Donc il y a les cartes du destin, donc ça c'est les cartes destin, donc ça n'a rien à voir, le destin. C'est le destin. C'est pas le même jeu. Quel jeu a joué au destin? Moi, je l'ai appris en vacances quand j'étais petit, et franchement c'est un jeu trop bien. Et est-ce que t'as eu des enfants du coup? Une fois j'en ai eu 7. Et j'étais un peu au bout de ma vie. Au fait tu vois, partout où on pouvait avoir des enfants, j'en ai eu. T'étais content? T'as, il était productif. Ouais, jusqu'au moment où ils sont rentrés à l'université. Ouais. Lâché 2000 euros par enfant. Je regarde. Et tu t'arrêtes jamais. Les cartes événements, donc ouais, c'est tous. Hein. Apparemment, il n'y a pas de. Ouais. Ils disent pas qu'il faut tel événement ou pas. Il y a des événements argent, des événements or, des événements du lac secret. Il y a encore. T'entends hein? Ouais. Mais c'est quoi? Je pense que ton câble était trop tiré du coup. Peut-être. Bah, ça me paraît bizarre que ça soit la faute à son câble. Ouais, parce que c'est censé être étirable. Bah oui. Bizarre. Ouais, mais je peux pas quand même m'adosser quoi. Mais si, regarde, vas-y, tu peux. Je sais pas. Il y a des bébés interférences. C'est bizarre. C'est chiant un peu. J'enlève ma main. Je ne saisis pas bien. Bah non, parce que ça le fait encore. Je sais pas d'où ça vient ces interférences là. Tant pis. Tout. Donc ça c'est bon, on a ça aussi. Placez le pion narration sur le A, c'est bon, c'est fait. Mettez à disposition près du plateau les Gork et les Skralls. Oui. Toi du coup t'es plus Gork ou Skralls? Je préfère les Skralls. Très bien. Mettez à disposition le plateau déroulant des combats verso du plateau objet. A. B. C. Chips. 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 Ah ça c'était beau. Ça faudra le clipper à tout prix. Oh merde. Oh c'est merde. Magnifique. Ah. Trop de synchro. Alors du coup Yoda il pensait que tu étais un homme. Ah ouais, dommage, voilà. Mais en même temps je suis un femme, donc c'est ah normal. C'est vrai, c'est ta femme. Je suis plus un mec qu'une fille, donc ouais, c'est pour ça. C'est mon cum. Je suis son cum. Alors placez le cube rouge sur les deux pistes. Ah donc les cubes rouges. Putain il faut tout sortir. Il y a la musique de Naruto. C'est Naruto? Oui. Non, c'est Fairy Tail. Ah, Fairy Tail, ouais, pardon. Ça, j'ai chaud, on dort. Non, parce que ça, les deux, elles se rapprochent en vrai. Okay.
Mais j'ai jamais regardé Fairy Tail donc. Si, c'est la musique de Fairy Tail. Je les ai tous vus et puis. Non, sauf les derniers parce que ça m'a saoulé en fait au bout d'un moment. Moi j'aimais pas. C'était pas mon truc. Bah, en fait, c'était trop redondant au bout d'un moment, je trouvais. Les pouvoirs de l'amitié sauvent tout! Oui! C'est des bisounours. Un petit peu. Bah, moi je sais qu'à un moment je regardais pas mal One Piece. One Piece, je kiffe, mais même les épisodes qu'il y a encore aujourd'hui. J'ai fini par lâcher aussi parce que c'est trop long. C'est super long, il y a au moins 600 épisodes ou je sais pas combien. Hein. J'ai dû en regarder 100. Comme ça. Je pense que plus, à mon avis. Ouais. Et je sais plus du tout, moi j'en ai regardé. À un moment j'ai fait, vas-y, j'en peux plus. Bon, c'est juste trop long, genre vraiment. Enfin, finissez à un moment. Mon téléphone il a combien de pourcent? 9 milliards. Et demi. T'as une paillette sur le nez? J'ai des paillettes tout le temps partout. Parce 42%. Que tu mets des paillettes dans la vie des gens. Exactement. Rapproche ton micro. Je le rapproche. Là c'est bon. On a dit, rapproche-le, pas mange-le. Oui, mais elle comprend pas tout des fois. Faut lui non mais elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Voilà. Elle est gentille. Donc mettez les 4 jetons brouillard dans la boîte, ils ne sont pas utilisés. Mélangez face cachée 11 jetons brouillard restants. Tant qu'on est en train d'installer le plateau. De quoi qu'on est en train d'installer le plateau. M plateau. Non mais là elle va s'endormir. Oh la vache. Non parce que j'ai pas encore mis plaid sur la gueule. Quoi, tu parles de moi là? Non, il parlait de moi. Des os. Tu parles de moi. Je te casse la gueule. T'es sûr que t'as pris un homme ou une femme? T'as pris une femme, je crois. J'ai pris que t'aurais une femme. Ouais, t'aurais dû prendre un homme du coup. Mais non. Si, parce qu'on est des femmes. Ouais, voilà. Enfin, quoi que vu les patates de foin que tu mets, bah, homme saurait coller. En mode, nous les femmes, on doit se laisser faire. Enfin, après, non, mais avoue, pas une se laisser fille faire. Si t'as pas un fort caractère, c'est nul. Oui. Voilà, mais ouais, c'est clair. Pas se laisser faire est une chose, frapper gratuitement les gens qui nettoient une machine à café en est une autre. Mais je savais pas que ça faisait mal. Je savais pas que ça faisait mal de mettre une patate dans les plates d'un homme. Je connais pas ma force en fait, du coup je fais. Mais c'est dur à contrôler la force en plus à la base. Ouais, à la base. La force, effectivement, demande à Skywalker. Ouais. La force est avec nous. Et avec notre esprit. Amen. C'est la prière du soir. Ouais. Des pièces. Il pleut des pièces. Tiens, et je crois qu'il y en a une qui est passive par là. Ah non, ça c'est la mienne. Bah, le tout puissant vous a entendu. Ça, je l'ai gagné. T'imagines, il y en a une qui a volé là. T'imagines à chaque prière, tu sais, de l'eau ça fait... Hein, tu sais, on jette des pièces comme ça. Tiens. C'était pour finir la bénédiction. Tiens, maintenant. Ouais, c'est bien, il m'a prié aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Tiens, je te récompense. 7, 8. 8. C'est abusé, il faut des jetons pour tout. Et n'importe quoi. Non. C'est. Il m'en manque encore, hein. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une couronne. Ouais. Bah, ça tombe bien. Tu es une muraille. Voilà. Ah merde. 1, 2, 3. 4, tu es résistante. 5. 1, 2, 3, 4. Je croyais que c'était une couronne. Bah, ça a la forme d'une couronne un peu. Bah, c'était une vraie. Ah, il est là. Non, non. C'est bon. On a les 11. Ça va bien se passer. Il y a des trucs absolument. Plier en deux partout. Et faire ça. Mais c'est pas possible de plier en deux. Du coup, c'est juste. On va y arriver, les potes, hein. On va y arriver, rassurez. Du coup, il est quand même enchanté. Ouais, hein. C'est quand même pas notre jeu, donc. De quoi il, dit, il est quand même enchanté de faire ta connaissance. Enchanté de faire votre connaissance, cher ami. Donc, placé sur le plateau avec un sac près de l'œuf. Un sac près de l'œuf. Ah oui, là. Attends, okay. Celui qui parle, c'est pas Shinimasu ou si. Pas quoi? Si, parce qu'on parlait tout à l'heure ensemble. Oui, je l'appelle Yoda parce qu'à la base, son jeu c'est Yoda Dubstep. D'accord. Et du coup, il a. Vous avez déjà vu le Front National? Ah merde! Ouais, il me pète le tympan en plus. Oh merde! Rien ne va plus! Oh merde! On l'a perdu. Pardon. Pourquoi tu t'excuses? Ah, ça me fume. Oh là là. Tu fumes?
Oui. 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 Dit-elle ouais. d'une voix rauque. Oui. Ouais. Salut. Ouais. Non mais tu sais, enlever ton micro pour dire faut que j'arrête, on t'entend quand même. Elle est gentille. Hein. C'était le côté mignon, tu sais. Faut que j'arrête. Aïe 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 aïe. Une petite musique pénible là. Ah bah c'est la playlist Andorre. Mais j'aime trop. Il y a une playlist du coup sur. Par contre, ils mettent du fairy tale dedans. En même temps, c'est une musique fantasy donc forcément. Enfin, ouais, fantasy. Oui. Ouais, je sais pas si t'as besoin de ça. T'sais, il va me voler des éléments, c'est-à-dire que je galère à les trouver. J'ai entendu hein. Ouais. C'est pas grave. Du coup, donc c'est bon. Oh vache, ça y est, en lisant la page suivante, vous apprendrez les dernières règles. Qu'est-ce Ensuite, vous pourrez vivre la grande aventure. Non, rien. Vous êtes sûr que ça va aller? Allez, les enfants, hein. On y va. C'est toi qui parles. On est tous dingues, autant l'un que l'autre ici, donc. Alors, oh, la merde. Piste du temps. D'atterrissage. J'allais dire la piste du lab, mais ça marche pas. Oh, les enfants. Comme vous le savez déjà, la pierre du temps indique les heures dépensées par les joueurs. Manon. Pérou. Moi j'ai préféré ne rien dire. On incarne du coup des héros. Non. Ah non. J'aime monsieur, j'aime monsieur. Ça, on incarne des héros. Même si, bon, on n'a pas. Oui, un, oui. Ah, gentil hein. Attention forbidden, attention Artung. Artung bicyclette, il est indispensable de ne pas oublier d'avancer les pierres du temps. Il est conseillé qu'un joueur se charge d'avancer les pierres de tout le monde. Mm-hmm. Le plus observateur parmi vous accomplira cette tâche. Qui veut le faire? Oh là là. Ouais, je sais. En fait c'est surtout que c'est de mon côté. Bah voilà. Oui, je sais, j'ai vu. J'ai vu. La journée d'un héros se termine normalement lorsqu'il a dépassé ses 7 heures de travail. Putain, c'est comme les routiers. Tu vois, t'as des petits papiers à remplir. Et après, t'as des contrôles. Vous avez travaillé plus de 7 heures, monsieur. Vous avez payé une amende. C'est encore compliqué parce que eux, ils doivent s'arrêter assez fréquemment. Ils ont une certaine heure à respecter À conduire. Toutes les 4 heures, ils doivent faire une pause d'une demi-heure. De une demi-heure, ouais. Bon, c'est ma mère qui m'avait expliqué tout ça. Je l'ai appelé en TPL. Après, c'est vraiment ceux qui font des longues routes. Ceux qui sont sur chantier, c'est encore différent. Ouais. Bah après, il y a encore différemment avec les, les routiers grand trajet. Désolé. On est parti dans un truc. Non, mais je croyais qu'on est en train de jouer à Andorre, mais apparemment, on est en train de faire une coupe. Voilà, Vas-y, moque-toi. Moi, si vous voulez, je vous ressors mes cours de transport logistique. Hein, non, c'est bon. Même en logistique, j'ai pas fait ça. Donc, voici un exemple. Il nous donne un exemple, c'est très important. Un joueur peut décider de dépasser plus de 7 heures. Il peut faire du sup. Pendant une journée. Il peut utiliser jusqu'à 3 heures supplémentaires. Mais ça fait des malus. Chaque heure supplémentaire lui coûte toutefois 2 points de volonté. Comment sais-tu cela? C'est parce que là-haut, t'as des moins 2 avec les flammes, et là, t'as la flamme de la volonté sur ta carte. Voilà. Il est observateur. Je pense que c'est lui qui va venir bouger les pions du temps. Chaque heure supplémentaire du coup coûte effectivement 2 points de volonté. Il recule pour cela le disque d'autant de cases sur la piste de points de volonté de sa fiche héros. Un héros ne peut jamais arriver à 0 points de volonté en utilisant des heures supplémentaires. Mais ça veut dire quoi les points de volonté en fait? À la fin tu meurs, je sais pas. Bah les points de volonté c'est Mais tu peux les acquérir ou tu les as déjà de base? T'en as de base, mais tu peux les acquérir et tu peux en gagner. Moi j'en ai gagné 3 par exemple en vidant le puits. Donc en fait, en fouillant ou en explorant des endroits, tu vas en acquérir. Tout à fait. En fait, moi, le premier tour, j'ai juste dépensé de l'argent. Oui, j'ai vu. Elle a full augmenté ses stats en foutant le brouillard. Lui, en fouillant le puits. Et moi, je vais tenir. Je vous achète un point de force. En fait, c'est un pigeon, Pierre. Non, c'est un nain. Exactement, c'est un nain. Donc c'est un peu... Hey, les nains, ils sont censés tenir à mort à leur argent. Hein. Bah, justement, ma compétence, c'est que je peux, à la mine, acheter un point de force pour une pièce d'or au lieu de 2. Voilà. Petite réduction. Mais j'étais oublié d'aller chez le marchand pour le premier tour, donc c'était chiant. Du coup,
Un héros dont le tour, dont c'est le tour et qui ne veut pas utiliser d'heures supplémentaires place sa pierre du temps sur la case lever du soleil. Si c'est le premier, il la place sur le coq et sera le premier joueur de la journée suivante. Avant de commencer une nouvelle journée, tous les héros doivent avoir fini leur journée et posé leur pierre du temps sur la case lever du soleil. Après cela, on applique les effets des différents symboles de la case. Une fois l'ensemble des symboles résolus, le joueur qui a sa pierre du temps sur le coq commence la nouvelle journée. Donc, c'est ça. Ça. On sent que le jeu va commencer sur les chapeaux de roue. Ça fait plaisir. Et on va mourir. Piochez la première carte événement, lisez-la à voix haute et appliquez son effet. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Il lit mais il sait pas. J'ai pas compris. Parce que là ouais, non, mais j'étais en train de faire le con avec justement la piste du temps, tout ça. C'est quoi, c'est ça la carte d'événement? Tout à fait. Oui. Je la lis? Si tu veux. C'est une langue que je ne connais pas. Dans le bon sens, c'est mieux. Carte de départ. Utilisée seulement dans la légende 1. Soudain, des cris résonnèrent dans le pays. Ils arrivent ! Les gores surgirent à l'aube. Chambourg était en danger. Placez un gore sur les cases 16, 22, 23, 24. Même si un héros se trouve sur une de ces cases. 16, les gores, c'est 23, les. 24. C'est ceux avec les glyphes. Ah oui. Bonhomme, là. C'est pas ceux 16, que t'aimes 22, bien. 22, 23, 24. Non. J'ai retenu. C'est lesquels les. C'était les. Les scrales. Les scrales. Les scrales, c'est ça ou les scales? Les scalpels. C'est lesquels? Je crois que c'était les scrales. Ça, c'est les scrales, je sais pas lesquels c'est. Alors. Il y en a combien? Il y en a 4. Ouais. 16, 22. 16, 22, 23, 24. 16. 22, 23, 24. 22. Et là, sa carte en face de lui, on sait plus le truc que lui. Ah, mais putain, t'as dégagé mon pion. J'étais où? J'étais là. J'étais en 17, ouais. Eh. Oh. Le nouveau son de Manu. 16, 22, 23, 24. Oh, y'a un dragon. Eh. C'est incroyable celui-là. T'es sûr? Il est pas bien. Ah oui. D'accord, mais encore. Heureusement que ça fait pas ce bruit là, un dragon. C'est drôle tout ça. Vous avez. Non mais arrêtez de vous moquer. C'est pas gentil. Nous ouais. Jamais. Jamais. Ouais, voilà. Jamais. Et du coup, c'est quoi la suite de ta carte? C'est tout? C'est tout. C'est fin. Fin. The ouais. End. Vous êtes tous morts. On remballe le plateau aussi. Alors. J'ose supposer qu'on va devoir leur casser la gueule. Donc déplacer tous les gores, on commence toujours par déplacer les gores qui se trouvent sur la case avec le plus petit numéro. Donc la 16. Dans votre situation, c'est donc le gore de la case 16 qui se déplace le premier. Il va où ? La créature se déplace sur la case adjacente désignée par la petite flèche ainsi de la 16 vers la 13. Très important. Donc ensuite, mathématiques, quoi. On le déplace, lui. Très important, j'ai dit. Lui. Il ne peut y avoir qu'une seule créature par case. Gore, Skrall ou autre. Si la case de la destination est déjà occupée, la créature en mouvement se déplace jusqu'à la prochaine case adjacente en suivant la flèche. Ça, oh, j'aime bien cette musique. Skyrim. Elle est archi classe. Bah là, vous allez faire la guerre, ça va, nickel. Faut qu'on les dépasse tous. Oh merde, c'était beau. On va se calmer, hein. Tout va bien. Je suis trop emporté par une musique. Il y a une montée là, c'était... Il fallait, tu vois. Alors, du coup tu disais... Faut qu'on déplace tous les gores. Apparemment. Mais on peut pas en avoir deux sur la même case. Tout à fait. D'accord. Donc faut techniquement qu'on déplace le 22. Le 23, on ne peut pas le déplacer. Et il va à la prochaine case adjacente. Et lui, il va à la 21. Mais lui, du coup, il va où? Il va à la prochaine case adjacente. Oui. En suivant les flèches. Ah, d'accord. J'ai pas suivi. Hein. Et ça. Il y avait Dovahkiin.
Là, mélangez-moi ça d'ailleurs. Voilà, vous, et vous mettrez au niveau des petits ronds là qu'il y a tout autour du fleuve. Ok. C'est compliqué à mélanger des pièces. 3 à 6, déplacez les autres créatures en suivant l'ordre des dessins. Si d'autres créatures sont en jeu, elles se déplacent exactement comme les gores. Remarque, pour le moment, il n'y a que les gores qui sont en jeu. Rafraîchissez les points de tous les puits. Donc les jetons puits sont retournés du côté coloré. Si un héros se trouve sur la case d'un jeton puits à rafraîchir, celui-ci n'est pas retourné. Et ça, c'est dommage. De quoi tu peux répéter ? Les puits de la couleur. On retourne les cartes puits. Les cartes puits ? Les puits. Voilà. Avancez le narrateur d'une case sur la piste des légendes. Il manque pas une piste grise ? Parce qu'il y a encore un rond là-bas. Il y a des ronds partout en fait. Ouais, alors attends, je vais voir au niveau des ronds, effectivement, comment il est. Comment c'est branlé. Ah ouais, effectivement. Alors, mélangez, face cachée les 11 jetons brouillard restants et placez-les sur les cases avec le cercle près du fleuve. Remarque, comme il manque 4 jetons, certaines cases seront vides, peu importe lesquelles. Ne placez pas de jetons sur une case occupée par un héros. Non, c'est un monstre. Elle est gentille. Et pourquoi ça c'est là ? Je sais pas. Vous êtes vraiment des enfants. Donc n'oubliez pas de dépasser le narrateur car il fait avancer l'histoire. Donc le narrateur c'est le petit blanc. Voilà, petit point blanc. Si le narrateur atteint une case avec un jeton étoile, un joueur pioche la première carte légende et la lit à voix haute. Remarque, certaines lettres ne déclenchent pas de carte. Comme le narrateur a maintenant atteint la lettre B, lisez la carte B1 à voix haute. Maintenant commence la deuxième partie du jeu d'introduction. Vous pouvez commencer votre deuxième journée en suivant les règles indiquées jusqu'ici. Expliquées jusqu'ici, pardon. Toutes les règles qui ne vont pas. Qui ne vous ont pas été expliquées vous seront présentées au fur et à mesure de votre aventure. Gardez le livret à portée de main à cette page et à la fin de chaque journée, suivez dans l'ordre des consignes du point 1 à 8. Tu veux que je lise ? Si tu veux, tu peux lire. Vas-y, je lis. Vu que je ne participe plus. Oui, je ne participe pas. C'est la petite musique qui va avec. Nous t'écoutons. Andor vivait en paix depuis quelques années. Mais la paix ne dure jamais. Des ennemis s'approchaient, le grand roi Brandur le savait et était inquiet. Il avait envoyé son fils, le prince Thorald, chercher de l'aide dans toutes les régions du pays. Cette légende commence au matin brumeux, lorsque le premier héros atteint le château de Schaumbourg. Équipement. Tous les héros gagnent immédiatement un poids de force. Le groupe reçoit 4 pièces d'or qui peuvent être partagées librement. Décidez collectivement combien chaque joueur reçoit. Un héros sur une case marchand, case 18, 57 et 71, peut acheter des points de force supplémentaires pour 2 pièces d'or chacun. Les cases sur lesquelles se trouvent des créatures peuvent être traversées ou occupées sans danger. Seuls les héros déclenchent les combats, jamais les créatures. But de la légende, la mission des héros est de vaincre les créatures avant qu'elles n'atteignent le château. Merci pour cette lecture. Mais de rien. Lisez maintenant la carte légende B2. Alors attends, on va peut-être juste répartir les pièces. Ouais, pièces. Vas-y. On a 4 pièces. Moi j'en ai déjà une, Pollux aussi. Moi j'en ai pas. Et voilà. Bah, j'en prends 2. Ouais. Et une chacun. Voilà. On va faire ça. C'est équilibré, on sait voilà, jamais. Comme ça on est bien. Donc la mission de la créature avant qu'elle n'atteigne le château. Lisez maintenant la carte B2. Et donc, nous t'écoutons pour la deuxième lecture. Pour empêcher que trop de créatures n'envahissent le château, les héros doivent les attaquer. À son tour de jeu, un héros a désormais le choix entre deux actions, se déplacer ou combattre. Pour attaquer une créature, un héros doit se trouver sur la même case qu'elle. Dès qu'un combat commence, lisez à voix haute les instructions du plateau déroulement des combats. Tous les héros doivent maintenant tenir compte de leur capacité spéciale indiquée sur les fiches de héros. Le héros qui se trouve sur le château commence la journée suivante. Très bien.
décès. Le décès. Ouais. Alors. Je m'applique. Donc on va lui chercher du thé avec du miel. Il faut que sa voix soit claire. Mais en plus, j'ai du miel. On a passé toute la matinée dehors dans la tempête, en fait. Donc, génial. C'est ouais. Donc pour cela. On était sur un chantier. Donc, les ont le choix entre deux actions. Quand c'est à leur tour, soit ils se déplacent, soit ils combattent. Et donc l'objectif, je vous le rappelle, la mission des héros est de vaincre les créatures avant qu'elles n'atteignent le château. Alors dans un premier temps, on va regarder déjà les créatures qui vont atteindre le château en premier. Il y a le 3 là-bas. Ouais. Le 3. Le 13. Ouais, lui aussi. 13, 19. Le 19, c'est le... Ouais, le plus loin. C'est le plus loin, parce que au fait, lui va se déplacer en premier. Ensuite, ce sera lui. Ensuite, ce sera lui et ce sera lui. Mais lui, du coup, il viendra que là. Et lui viendra là. Donc c'est lui le premier intercepté. Ouais. Lui et lui. Ouais. Question. Est-ce qu'on peut se déplacer sur une case et entamer le combat ou faut qu'on se déplace sur la case et on attend avant d'entamer le combat? Ça, j'ai pas compris en fait. On va voir ça tout de suite. Normalement, je crois que c'est quand t'es sur la même case que la créature que tu peux l'attaquer. Après, je sais pas. Il y a toujours deux possibilités, se déplacer ou combattre. Si un héros se déplace sur une case occupée par une créature, il doit attendre son prochain tour pour combattre. Donc voilà, c'est ça. Soit tu te déplaces, soit tu combats. Mais si tu combats, lui ne peut pas déclencher le combat à la créature. Donc c'est ça l'avantage. Mais moi, je peux combattre sur une case adjacente. Parce que t'es l'archer, toi. Voilà. Donc je pourrais, tu vois, tuer lui directement sans avoir à me déplacer. Alors je pense que l'idéal, ce serait ben, déjà que tu élimines le 13, du coup. Ouais. Et Pollux et moi, faut qu'on anticipe les déplacements des monstres. Bah de toute façon, c'est Pollux qui doit commencer. Donc Ouais, du coup, moi par contre, avec mon mage, comment je fais pour attaquer, moi? T'as des pouvoirs, non? Oui, j'ai la capacité spéciale, mais du coup, ça me dit pas comment je combats. Alors, on va regarder. Moi, ma capacité spéciale, elle n'aide pas du tout au combat. Hein. Je suis là en mode. Je peux acheter. En mode catapulte, ce sera plus facile. C'est génial. Pense moi. C'est nain. Oh, tu rigoles, mais les nains dans les jeux, je peux dire qu'ils sont très fourbes. Bah écoute, on va voir. Alors attends, je vais. Si t'as joué à WoW et tout. Je vais lire le départ, attaque du héros par exemple. Donc la pierre du temps du héros est avancée d'une heure sur la piste du temps. Le héros jette toujours tous les dés qu'il a en sa disposition en même temps. L'onde de dés disponible est indiquée sur la fiche du héros et dépend de ses points de volonté actuels. Pour finir, le héros ajoute la valeur de son meilleur dé à ses points de force. Il obtient ainsi sa valeur de combat. Riposte de la créature. Le voisin de gauche du héros jette deux dés rouges pour le gore. Le gore calcule le résultat de son jet de dés. Les dés de même valeur s'ajoutent. Son résultat est donc la valeur de son meilleur dé ou l'addition de plusieurs dés de même valeur. Donc soit par exemple tu... Si donc attends, tu... on va faire un lancer. Fais un lancer, on va... Donc là c'est 4. Ça sera 4. Si par exemple il y aurait eu ça, c'était 8. Tout à fait. Voilà. Ouais. On remarque, cette règle s'applique pour toutes les créatures, mais pas pour les héros. Ajoutez ensuite ces 2 points de force au résultat, puisque les gores ont 2. Vous obtenez la valeur de combat du gore. Donc là ça aurait été 10. Dans notre exemple. Par exemple. Bah, du coup, pour aller à 4, il sera à 2 alors, s'il a 2 points de volonté. C'est pas ça? Non, je crois qu'il faut les mettre à 4 parce que là, il y a. Non, c'est les points de force. Là, t'as les points de force. Ok, ok. C'est la force, la volonté, ça détermine le nombre de dés. Ok, ok, ça marche. Donc, faites ensuite la différence entre les deux valeurs de combat. Celui qui a la plus faible perd le montant de la différence en points de volonté et ajuste en conséquence son marque de points de volonté sur la fiche du héros ou sur le tableau des créatures. Cela s'applique également à l'archer lorsqu'il attaque d'une case adjacente. En cas d'égalité, il ne se passe rien. Un nouveau tour de combat commence où le combat prend fin. Le combat prend fin si le gore n'a plus de points de volonté, le héros n'a plus de points de volonté, il ne reste plus d'une heure au héros sur la piste du temps, le héros abandonne le combat. Lisez maintenant la carte fin. Du combat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une carte aussi fin du combat. Ici. Où est-elle? Je l'ai rangée. Non, c'était pas ça. Je croyais qu'il y avait une. Bah non, c'est pas ça. C'est peut-être l'autre côté.
Pierre, je pourrais avoir une pelle, s'il te plaît. 5 euros. 5 euros. Vous avez fait le même geste. C'est l'habitude. S'il te plaît. C'est pas grave. Merci. Donc ouais, il y a bien sûr deux... Ouais, c'est bon, ok. Ouais. Par contre, je ne trouve pas de carte fin du combat, alors je ne sais pas où est-ce que c'est que c'est. Où est-ce que c'est que c'est? Où c'est que c'est? Moi, je ne sais pas moi que c'est que c'est, là. Il n'y a pas de fin de combat. Il n'y a pas de fin de combat. Tu peux m'envoyer la vidéo dans la voiture. Je m'attendais pas du tout. D'accord, on va te l'envoyer la on vidéo. On va te l'envoyer du coup. Oui, tout à l'heure. Oui, oui. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, par contre. Du coup, donc... Il n'y a pas de fin de combat. Il n'y a pas de fin de combat. Ok. Non, en fait, je trouve pas la carte. Il me dit que c'est une carte. Il dit la carte fin du combat. Il me semblait l'avoir vue. Et tu l'aurais pas mis de l'autre côté? L'arrivée des héros, le combat en groupe... Bah non, c'est... Putain, il est là. Ça drop, il y a eu un petit drop. Drop the mic. Ouais, c'est pas grave. Tout va bien, on est là. Ah, c'est joli. Attends, parce que du coup, c'est. Il y a le combat en groupe. Combat en groupe. On préfère des combats en groupe, apparemment. Le héros dont le tour est. Le héros dont c'est le tour invite les joueurs qui sont sur la même case que lui, ou l'archer sur la case adjacente, ou une créature à combattre. Chaque héros invité au combat choisit ou non de participer. La période du temps de tous les héros qui participent au combat sont avancés d'une heure. On additionne les points de force de tous les héros qui participent au combat. Ensuite, chaque héros jette ses dés à tour de rôle, en commençant par celui qui a déclenché le combat, et garde la valeur de son dé le plus fort. Calcule alors la valeur de combat du groupe, points de force de chaque héros, plus meilleur dé de chaque héros. La créature réagit exactement comme dans un combat dans lequel un seul héros est impliqué. Si les héros sont touchés, tous les héros impliqués perdent chacun un montant total au point de volonté de la différence de valeur. Après chaque réaction de la créature et avant qu'un nouveau tour de combat ne commence, chaque héros impliqué dans le combat peut décider de le quitter dans l'ordre de son tour. Donc on peut effectivement combattre à deux. D'accord. Si on peut. Si on est plusieurs sur la même case ou si l'archer est dans la case adjacente. Et donc en cas de victoire, la récompense est librement partagée entre tous les héros appliqué. Donc, si on gagne le combat, si le gore n'a plus de points de volonté, le héros gagne le combat, il obtient tout de suite 2 pièces d'or ou 2 points de volonté. Vous pouvez panacher librement cette récompense en prenant une pièce d'or et un point de volonté. Indication, pour vous aider à vous souvenir de récompenses, leurs valeurs sont mentionnées sur le tableau de créatures sur la piste de points de force. Vous perdez le combat. Si le héros n'a plus de points de volonté, il perd le combat. Le héros perd son un point de force. Il ne peut pas descendre en dessous de 1. En outre, il gagne tout de suite 3 points de volonté. Et maintenant au joueur suivant dans le sens horaire de jouer. Les créatures vertus sont toujours déplacées sur la case 80. Le narrateur avance tout de suite d'une case, éventuellement. De nouvelles cartes légendes sont révélées si le narrateur arrive sur la case où il y a un jeton étoile. Si personne n'a emporté le combat, soit parce que le héros a abandonné, soit parce qu'il n'a plus d'heure disponible, la créature récupère ses forces. Une créature qui n'est pas vaincue se régénère. Elle commencera son prochain combat avec ses points de force et sa volonté d'origine vers le tableau des créatures. Voilà. C'est clair. Bah oui, c'est clair. On a tous les mêmes rêves. J'aime quand vous avez... Bon, du coup, on peut y aller. Quand vous avez. Que voulais-tu dire par la suite? Bah que vous êtes synchro, que vous lisez dans mes pensées pour que je vous fasse dire... Parce qu'on s'aime trop, c'est pour ça. Ouais, je vous fasse dire tout un tas de conneries. Ouais. Alors mais on est comme ça naturellement. Exactement. Du coup, donc... C'est à toi de commencer. Comment, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, je vais m'occuper du 13, là. D'accord. Ça, c'est sûr. Toi, t'es où, toi? Moi, je suis au château. Et Maïs, elle est juste à côté, ouais. Ouais. Pollux, tu peux peut-être prendre position sur la 4.
pour attendre. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Au pire des cas, moi, si je vais là. Mais attends, si lui, je le tue. Et il se déplace comment, les gores? Une fois par jour ou. Ils se déplacent tous en même temps ou il y en a qu'un seul qui. Ils se déplacent tous en même temps. C'est tous en même temps. Hein. Et ils se déplacent à la fin de chaque tour, en fait, je crois. Donc. Il y a moyen. À chaque fin de journée. Ouais. Donc. Donc une fois qu'on a fait 7 heures. Une fois qu'on a fait 7 heures. On pioche la première carte événement, on lit à voix haute son effet. On déplace tous les gores. On déplace les autres créatures en suivant l'ordre des dessins. Il n'y en a pas, donc pour l'instant on s'en occupe pas de ça. On rafraîchit tous les puits. Et on fait avancer le narrateur d'une case sur la piste des légendes. Okay. Rafraîchir, c'est-à-dire bon, s'ils ont été utilisés, on les retourne. Pour que ça puisse être de nouveau utilisé. Ok. Donc du coup, toi Pollux t'attends lui. Ouais. Maëlys tu t'en prends à lui. Ouais. Et bah moi du coup j'irai en... En Malaisie. En une. Pour attendre le... Oui vas-y on fait ça. Ok. Donc ça... Épi de maïs. Donc toi tu peux direct attaquer en vrai. Voilà. Et comme donc, j'ai du coup, 9 points de volonté... Faut qu'on lance d'abord les dés du... Gros. Alors, attaque... du héros, la pierre du temps du héros est avancée d'une heure. Effectivement, donc t'attaques, donc c'est tu mets une heure pour faire ton attaque tout ça. C'est ouais. Le temps de charger l'arc. Ouais, ça met très longtemps à charger un arc. Le héros jette toujours tous les dés qu'il a à sa disposition en même temps. Tout est dé. Le nombre de dés disponibles est indiqué sur la fiche du héros et dépend de ses points de volonté actuels. D'accord, donc 4. Et oui. Pour finir, le héros ajoute sa valeur, la valeur de son meilleur dé à ses points de force. Sachant que j'ai 3 points de force. Voilà, donc il obtient ainsi la valeur du combat. On te regarde. Ok. On a 2, 4, 7, 13, 16. Donc elle n'a pas compris. Non, c'est pas ça. La valeur la plus, la plus, haute. Plus haute. Ok, donc c'est 6. Voilà. Plus 3, 9. Ok. Voilà. Bon, j'ajoutais tout en haut. Bah. Donc ça 6, donc ça fait 9. On est là-dessus avec les points de force. Ça fait 9. Riposte de la créature. Ça va être du coup Bébou qui va s'en charger. Moi je fais quoi hein? Alors du coup tu vas jeter les deux dés rouges. Ça va être toi du coup qui va jouer les créatures. Yes, je suis une créature. Tu es le bleu qui joue ça. Tu es un gore. Ouais. T'es hardcore. En plus je pourrais faire les créatures. Donc vas-y Bébou. Hop. Et donc ça, 9. 6. Ben. Bah, ah oui, 6 et plus 2, du coup. Ça fait 8, 9, 8. 7. Tout à fait. Donc on calcule le résultat selon le GD, les mêmes valeurs s'ajoutent. Parce que j'ai répété ce que t'as dit après, pourquoi t'avais dit 9. Son résultat est donc la valeur de son meilleur dé ou l'addition de plusieurs dés de même valeur. Remarque, c'est vrai que ça pique pour tous les joueurs, mais attends. Mais quoi donc? Mais ouais, je suis en train de bugger. On a vu ça. Non, mais voilà. Donc c'est parce que là, il remarque cette règle s'applique pour toutes les créatures, mais pas pour les héros. Il parle en fait du dé de la même valeur qui s'ajoute. Donc nous héros, on n'a pas les dés qui s'ajoutent. Nous, dés s'ajoutent pas. Mais voilà. Là, on n'a pas ajouté de dés. Non. On a juste pris la grande valeur. Je crois. Là, ouais, en fait, on a pris son 6 et on a mis ses points de, oui, voilà, de force. Mais par exemple, si elle avait eu 2 6, et ben les 2 6, oui, ça aurait pas fait 12. Ça oui, ça fait 6. Ouais. C'est juste les créatures qui ont les dés qui. Ça, j'avais pas compris après la lecture. Ok. Donc, ajoutez ensuite les 2 points de force pour obtenir vos états de la valeur. Donc, ça fait 8 contre, oui, 9. Ouais, donc elle. Faites ensuite, c'est la, cool, différence entre les deux valeurs de combat. Celui qui a la plus faible perd le montant de la différence des points de volonté. Bah, 1. En points de volonté, donc 1 effectivement. Qui perd 1 en volonté. Voilà. Quand il est à 0, il est. Quick. Voilà. Okay. Cela s'applique également à l'archer lorsqu'il attaque une case adjacente. Donc là, en cas d'égalité, pouet, le nouveau tour de combat commence ou le combat prend fin. Un nouveau tour de combat commence ou le combat prend fin. Donc je pense que le combat continue. Donc on recommence. Tu rejettes tes dés. On a 3000 quoi. Ah, et du 4, coup, tu. 4. Ah, mais du coup, par contre, tu repères 1, c'est ce que, si j'ai pas compris. Maintenant, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il fait comme ça, oui. Donc, ouais, tu repères encore.
Une heure. Ouais. Donc 4. Donc t'as 7. Ouais. 7. Il faut que tu fasses 4 maximum. 5. Donc ça fait égalité. En cas d'égalité, il ne se passe rien. Ils sont là. On fait quoi? Oh, rien. Vous rendez coups. On se regarde. Coup, c'est je des me coups cache qui sont, dans les coup, arbres. Et donc, un nouveau tour de combat commence. Ça, c'est relativement simple en réalité. Hein. Ouais. Non, ça va. Juste qu'il y a beaucoup de choses. 5. 8. Ouais, ça fait 8. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses au niveau des pions, des machins, trucs, mais c'est. Tu le bats. 7. Yes. Ça marche. Tu perds encore un point. Mais du coup, en fait, ça veut dire qu'il faudra ensuite remonter là pour les 3 autres. Oui, parce qu'en fait, ça dépend du, de chaque créature que tu attaques. Dès que tu commences, tu attaques une créature, tu te mets à sa, tu mets le jeton là où il se trouve. Comment on va s'en souvenir pour les bah, trois autres? Bah là, regarde. Bah non, mais là, en fait, soit. Bah, mais il... si là, par exemple, elle arrêterait le combat. Et bah du coup, il régénère. Ah, donc il regarde okay. tous ses okay, produits. Donc, c'est comme si, voilà, elle a perdu du temps. Voilà. Casse-lui la gueule, Maïlis. Oui. Finis-le. Tu continues. Jusqu'à ce qu'elle le tue. Dis donc, ça met longtemps à tuer les créatures. 6. Hein. Donc 9. Ouais. À part si tu fais un j'ai vraiment foiré, mais sinon, général, c'est. Bon, là, elle l'a battu. Bah non, du coup, là, bah la non, différence a... est beaucoup bah plus oui, lente qu'un. Ah oui, il est plus importante. Ah, mais attends, déjà avant, non? Non, pas avant. Non, avant, c'était un jeu. Hein. Okay, donc, c'est alors. Bon, il est mort. Donc, il est mort. Ciao. Tu peux l'enlever du plateau. Ciao. C'était lequel qu'elle a tué? Le 13. Et on remonte à 4 pour le prochain. Et donc la créature va en dans la case 80. 80 Oui. Elle est. C'est de par là. Là, ouais. Là, là. Ah ouais, sur le. Ah ouais, parce qu'attends, du coup, faut qu'on fasse attention, il y a une case aussi ici, je crois. Oui, oh. Ouais. C'est bon là, pour l'instant. Vous y êtes hein. pas, c'est pas grave. Okay. Bien. Bah, moi je vais là, du coup, ça fait. On gagne pas un truc quand il y en a qui meurent Des gores là. Je sais pas, je comprends pas. En fait, les cases ça représente une heure à chaque fois. C'est oui, ça. C'est une heure de trajet en fait par case. C'est rigolo. Mmh. En plus, j'adore parce que les cases elles font absolument pas la même taille. Oui. Ouais, non, y a rien, hein. C'est. Okay. Tu veux juste péter à gueule, c'est tout. Okay. Attends, bah, il faut lire la carte fin de combat. Oui, c'est ça que je demandais. Attends, oui, c'est vrai qu'il y a la carte fin de combat. Il faut regarder à droite, à gauche, au milieu. De travers. Dans tu les mets fesses. Pas sur le côté. Parce que. Ah, ça t'embouche un groin. Un groin. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc vous remportez le combat. Si le gore n'a plus de points de volonté, le héros gagne le combat. Il obtient tout de suite 2 pièces d'or. Voilà. Putain, failli, c'est ce que je ça. Demandais là, des pièces. Mon argent. Elle veut de l'argent, c'est ça. 5 euros là. Elle veut l'argent. 5 euros. 2 pièces d'or du coup. Ouais. T'as comment il donne ça? 2 pièces yeah. d'or ou 2 points de volonté. Ah oui, ça dépend. Tu veux soit 2 pièces d'or, soit 2 points de volonté, soit une pièce d'or et 1 point de volonté, soit 2 points de volonté. Moi, je prends 2 pièces pour l'instant. D'accord. Je suis bien en volonté. Les créatures sont toujours placées dans la base 80. Narrateur avance tout de suite d'une case. Sur une nouvelle carte. Tout à fait. Ah non, c'est pas la carte là. Donc, c'est la carte C. Moi, je valide. Et donc. Nous allons entendre ce qu'elle a à nous dire. Les créatures attaquaient le château. Si une créature arrive sur le château, elle est tout de suite placée sur une case défense. Bouclier doré, près du château. La légende est perdue s'il n'y a plus de case défense libre quand une créature entre dans le château. Le nombre de cases défense disponibles au début de partie dépend du nombre de joueurs. Exemple, à 4 joueurs, les héros ne peuvent laisser entrer qu'une seule créature dans le château, comme indiqué sur le plateau. Les héros ne se connaissaient pas, mais ils comprirent très vite qu'ils devaient s'allier pour vaincre la terrible menace des Gorse. Si plusieurs héros se trouvent sur la même case qu'une créature, ils peuvent combattre en groupe. L'archer peut attaquer d'une case adjacente. Ainsi, ils deviennent beaucoup plus forts. Lisez alors la carte combattre en groupe à voix haute. Merci. Donc effectivement, combat en groupe, je l'ai lu tout à l'heure, donc effectivement, ouais. On peut combattre en groupe aussi, si vous mais êtes on sur peut la même case.
Voilà, si on est sur un mécanisme, par contre, on peut laisser passer jusqu'à deux créatures. Donc ça, en fait, ça gaze. Hein. On va réussir easy. Ouais. Puisque là, on est placé de telle manière à ce que... À part si on n'a plus de d'or disponible. Ouais, bah non, parce que c'est à la fin de cette heure que les créatures se déplacent. Pour moi, on va même réussir à avoir les trois. Ah oui, largement, là, en fait. Ouais. Ouais. Ça dépend comment vous gérez votre temps. Ah, j'allais dire, pourquoi t'es mute ? Là, ok, donc c'est bon. Je vais garder la carte là quand même de côté, avec la carte là de côté comme m'a soufflé une petite fée. Très bien. Bah du coup, let's go. Tu mets pas le micro quand tu dis des conneries comme ça. Non. C'était à qui du coup? C'est à toi? C'est à toi parce que c'est je suis moi, déplacé. Oui. D'accord. Oui du coup faut qu'on finisse en 7 heures. Effectivement. Donc Je suis con en fait, j'aurais juste pu aller sur sa case. En fait depuis tout à l'heure on aurait pu aller direct sur leur case. Bah s'il oui. Bouge ouais. Pas. Bon c'est pas grave. Oui mais ça c'est parce qu'on apprend encore. Moi, je vais direct dessus. Du coup ça t'avance là. Ça avance d'une heure. Les tuer. Oui. Et puis Noïs. Ouais, moi du coup je vais me déplacer à... Alors fais gaffe, t'as plus que 3 heures. 1, hein. 2. Bah du coup on va dire je combats en groupe entre guillemets. Parce que... Bah là tu peux pas combattre en groupe puisqu'il est pas sur la case encore. Donc Oui bah j'attends qu'il déplace, juste sur la case. 1, 2. Hop, voilà, 1, 2, pouet. Bon, et du coup là t'avances de 1, pouet. Et là c'est le combat en groupe. Donc, les héros dont le tour invite les héros qui sont sur la même case que lui ou l'archer sur la case adjacente et une créature à combattre. Yeah. Merci beaucoup de Lost. Ça m'a réveillé. Merci beaucoup. C'est Yoda qui host la chaîne. Merci beaucoup, poteau. C'est très gentil. Du coup, attends, parce que je vous invite. Me feriez-vous l'honneur de défoncer cette créature ensemble? C'est moi, il y a un énorme message écrit là-bas. À chaque fois que je pars et que je reviens, j'ai l'impression que Épi de Maïs et Monsieur Viril sont plus loin l'un de l'autre. Ok. Ah, nickel. On est bien là. Est-ce que là c'est mieux du coup? T'hésites pas à nous dire. Moi je reste là. Hein. Tout va bien. Ça me perturbe. Du coup, chaque héros est invité. Je suis morte. Ça t'a avancé de 1000 heures. Donc, chaque pierre du temps de tous les héros qui participent au combat sont avancés de 1 heure. T'es sur ta dernière. Ah, sinon, tu peux faire des heures sup. On additionne les points de force de tous les héros qui participent au combat. Points de force. J'en ai 3. Ça fait 6 déjà. Ensuite, chaque héros jette ses dés à tour de rôle, en commençant par celui qui a déclenché le combat et garde la valeur de son dé le plus fort. C'est quel de nous deux qui a déclenché le combat du coup? Moi? Oui, c'est toi qui as été sur la case. Ah mais du coup comme ça... 5. Quoi comme ça? T'es au bord. Mais oh, c'est bon là. Mais oh. Si vous êtes à côté, est-ce que c'est grave? Ouais, c'est bon. Je respire plus. Ouais, je peux jouer maintenant. Alors du coup ça fait 11. Vas-y à toi Épine Maïs, tu peux lancer tes dés pour... Il a dit, rapprochez-vous voyons, faites l'amour, pas la guerre. Bah si, là ils font la guerre justement. Là on fait la guerre. La guerre ensemble en plus. Ce qui fait 8. Donc ça fait 16. Bah avec mes points de force non? Ouais, oui, mais là, bah, ça il y a déjà additionné tout. Ça fait 16. Ok, ça fait 16 en tout. Du coup, on a besoin de notre monstre. Calculez alors la valeur de combat du groupe. Ça fait 16. Les créatures, la créature réagit exactement comme dans un combat avec un seul héros. Donc là, tu peux jeter 2 dés. On a besoin du monstre. Lequel j'ai entendu ? 6, 6, 7, 8. 7, 8. Ben, il perd 8 points. Donc il meurt. Mort. Voilà. On dit ciao. C'est ciao. 80. Et du coup, donc, comme n'importe quel combat. Il y a des pièces. Mais là on se partage. Là vous avez le partage. Donc vous partagez 2 pièces d'or, 2 points de volonté, 1 pièce d'or, 1 point de volonté. Qu'est-ce que vous décidez?
Ogg, bah divertissez les viewers et étranglez-vous. Alors non, du coup, on est ensemble contre ouais. le jeu. C'est oui, l'objectif. Ils sont contre moi. Ouais, bon. On va l'étrangler. Je suis un monstre. Voilà. C'est notre petite bébête à nous. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez prendre? Deux points de volonté, Du coup, je vous partage. Il faut partager, ouais. Bah moi, je pense que je te laisse le butin. Tu gères comme tu veux, si tu veux des pièces, tu veux des points de Il y a quoi au total? Soit deux pièces d'or, deux pièces de volonté, soit une pièce d'or, une pièce de... ouais. Moi j'ai déjà 4 pièces, j'ai déjà assez de points de volonté, en plus de ça j'ai déjà assez mais de... Mais non, de, fais pas de ça. Pour le point de volonté. Tellement violence. Moi qui étais si gentil avec toi, il veut que vous m'étrangliez, c'est horrible. Bah je sais pas, on partage. Non, moi c'est bon. On partage, Kinder moi, Bueno. Je prends une pièce d'or et un point de volonté. Ah, ouais. Une pièce d'or et un point. Donc tu me rajoutes ton point de volonté, effectivement. Ouais. Et la pièce d'or arrive tout de suite, Mézir. T'as combien de points de volonté, Pierre? 8. J'en ai 9. J'en ai 10. Ça, c'est bien, oui, ça. C'est en fait, bon, hein, de base, hein. En fait, vous en avez 7. 7 chacun. Okay. Et en fait, après, vous ça, augmentez... Après, on augmente ouais. en 10 000. Lui, on a récupéré okay. 3 parce qu'il a vidé un puits. Ouais, elle était dans la brume. Tu payais 1 parce que. Ben 2 parce que t'étais dans la brume. Et, toi, et là, moi, j'ai un. Non, moi, j'avais pas acheté de points de volonté, j'avais acheté des points de force. Ouais, ouais. Et là, du coup, je prends un point de volonté. Bah, c'est bien. Voilà. Très bien. Et moi, je suis à 2 points de force. Oui, on avait. Oui. oui, parce qu'on a gagné un point de force au début ouais. de le truc. Ok. Du coup, va falloir que tu pètes la gueule à ton monstre maintenant. Seul. Et contre tous. Contre moi. Un seul dé. Ça va être chaud ça. Mais non, c'est facile, tu vas voir. Regarde. 4. Et du coup, ça te fait 6. Et moi, j'en prends 2 toujours. Oui. 3. Oh, ça fait 5. Mais non, elle les additionne. Ça ah oui, 6. 6. Ah. Ça fait 8. 8. Tu fais casser la gueule, Michel. Hein. du coup, tu perds 2 points de volonté. Aïe 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 aïe. Le joueur français en difficulté. Il y a tellement de choses à penser aussi, c'est 4. Encore 4, encore 6 du coup. Oui. On repère le joueur français, le mage en difficulté. Alors on continue hein, on est faut là. Faut que tu montes Encore à 4, mais c'est maudit. On est toujours à 6. Oui. Tu m'en veux encore sur l'autre jeu de toute ah. façon. T'as eu de la chance là. Du coup elle, le monstre en perd 2. Voilà. On est bien. Merde. Faut que tu refasses la même, Pollux. On retape sa tête. Non. Il n'y a pas d'avant. C'est génial. Je suis désolé, c'est la malédiction du 1. Bah c'est parfait. Donne le 1. Parce que du coup, j'ai mon pouvoir spécial qui fait que quand il y a un 1, on le retourne et ça fait un 6. Et du coup, t'as 8. On est vraiment des golemons. Hein. J'ai fait 10 ans avec toi. De bon, toute façon, je pense que c'est mort, mais on essaie toujours. Putain, pour une fois que la malédiction du 1, ça fait quelque chose. Ouais. Du coup, il en perd 1. Il y a encore, il y a encore un tour, faut que t'avances d'une heure, moi, Michel. J'avance. Oui, merci, parce qu'à chaque fois, ça j'ai oublié. Hein. J'ai pris dans mon truc. 5. Ça fait 7. 6. 8. Ça fait 8, tu perds un point. Ah, mais ce combat. Il continue, on voulait aller. C'est le dernier là, il faut que. Putain, va falloir que je fasse le dernier tout seul. Il faut que je donne tout. T'as de la chance! C'est bon ça! Michel! Ok, Pollux, il y a moyen de mettre la soundtrack d'un jeu similaire au vôtre, Talisman. Il écrit. Il y a moyen. Mets le lien sur le chat et je le mettrai si tu trouves sur YouTube. Je le mettrai du coup. Du coup, donc, je gagne soit 2 pièces d'or, soit 2 points de volonté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pense que je vais prendre les 2 points de volonté. Hein. ça m'arrive, c'est la bonne chose. Mais du coup, si on arrive à 0 points de volonté, on meurt. Littéralement, en fait. Parce que c'est pas posé la question. Par contre, il nous reste S'il reste plus. Il va falloir qu'on réfléchisse. Bah écoute, déjà, en fait, le combat prend fin quand t'as plus de points de volonté. D'accord. On dirait qu'on va être sur les marchés là. C'est la musique d'attente. Je pense qu'il va falloir que t'ailles en 19.
Parce que je crois qu'il faut, pour qu'il avance, je crois qu'il faut qu'il soit au 7ème. Bah vous, du coup, déjà, vous deux, vous pouvez retourner sur le lever de soleil. Vous, techniquement, vous avez fini votre journée. Je pense pas que vous allez faire des heures sup. Non. C'est 2 points de volonté en plus. Et du coup, faut que je finisse la journée, moi. Ou je peux retourner aussi au pire et je l'attends en 3. On lui pète la gueule ensemble. On peut lui péter la gueule ensemble, c'est beaucoup plus simple. Parce que en 2 tours, je suis pas sûr de réussir à le niquer, quoi. Parce que moi, j'ai le droit de lancer que 2 dés. Oui, et bien on l'attend. Voilà. Okay. Bah écoute, on retourne tous au lever de soleil. Et du coup, ce sera à Maëlys de préparer. Maëlys, tu vas en 3. Et ensuite, je fais. Bah, au pire, Maëlys. De toute façon, d'avance, je peux rester ici. Ouais, non, ouais, tu peux rester ici. Bah oui, et du coup, on va attaquer en groupe. Ouais, ouais, voilà. On va attaquer tous les deux. Ouais. Ok, bon, bah, du coup, il avance. Faut qu'on avance ici ou pas, du coup? Alors. À la fin d'une journée. Effectivement, on reprend. Hop. Du coup, je vais aller pécho la playlist. Il va pécho des playlists, tu vois. Oh, c'est trop cool. On sait pas de quoi tu parles, mais... Bah en fait, bon là c'est un peu par rapport à mes cours, mais en fait, à un moment on avait été dans des écoles pour présenter, en fait, on a été tous en groupe de 2 ou 3. Et on était en train de faire des jardins, parce qu'il y a un thème qui va se faire au jardin de la Koenigsee qui s'appelle les jardins de demain, et en total t'avais 15 jardins. Et en fait, chaque groupe avait un jardin qui lui était désigné. Et nous, on travaillait sur la permaculture, et du coup, après, on devait aller dans des écoles et travailler avec des enfants, donc des CM2, des CE1, CE2, ça dépendait des classes, sur ces jardins-là, et c'est eux qui devaient créer le jardin. Nous, on leur apportait juste les connaissances, entre guillemets, minimum, pour qu'ils le créent. Et normalement, à la fin, t'avais 5 jardins qui étaient sélectionnés pour être faits à la Koenigsee, du coup. Et en fait, notre jardin a été sélectionné pour être fait à la Koenigsee. Du coup, il y a la prof qui m'a envoyé un mail me disant qu'ils avaient été sélectionnés, qu'ils vont être faits. Donc, je suis trop contente. Okay. Ouais, c'est cool. C'était cool, en plus, de travailler avec les enfants et tout. Ils étaient super cool. Voilà, c'est tout. Vous pouvez nous pouvons passer à autre chose. Ça parle de jardin, donc c'est intéressant. Du coup... Au début de chaque journée, on pioche la première carte événement. Là, tu peux y aller, Pierre. Tu as voulu le faire tout à l'heure. Et on t'écoute. Un pressentiment. Le héros au rang le plus bas peut révéler 2 jetons brouillard quelconques. Ils ne seront activés que si un héros termine son déplacement dessus. C'est vrai qu'on a complètement mis de côté les brouillards. Hein. Oui. En même temps, vous les avez mis bien là-bas, et il y en aurait pu avoir là, mais... Il faut les déplacer toujours. Du coup, je vais en révéler 2. Voilà. Bah, on va faire les 2 là. Faut que j'y retourne, c'est ça? Oui. Ouais, tu y retournes, et puis voilà. Et ils sont activés que si quelqu'un s'arrête dessus. Talisman qui a un superbe jeu de rôle, au passage, sur Steam. Ça met de l'ambiance, je trouve. Exactement, c'est super sympa. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ces merdes là? Bah, je les ai retournés. Hein. Écoute, il fallait. Non, j'ai pas de perso parce que je suis arrivé en cours de route. C'est pour ça. Du coup, j'observe. Et je joue les créatures. Voilà, elle joue les méchants. donc, c'est des cartes événements. Ah bah oui. Perspicace. Voilà, vous saurez tout. Voilà, donc ça ne s'active que si quelqu'un va dessus. Oh, bouffler. Il veut que je vous bouffe. Hein. Voilà. Après, on déplace tous les gores. D'accord. On commence toujours le déplacement par les gores qui se trouvent sur la case la plus, mais en fait, il est seul. Donc, voilà. Bon, ben. Il ne peut y avoir qu'une seule créature par case. Ok, c'est bon. On déplace les autres créatures, et ça, on s'en pète. On rafraîchit tous les puits. Ça, c'est bon. Et on avance le narrateur d'une case sur la piste des légendes. Et là, ça va être au tour de Bibou. Puisqu'elle va nous faire la lecture. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'orage. Ah, c'est donc ça. L'orage c'est pu. Hein ouais. C'est la tempête. C'est toi qui avais dit ça la dernière fois. Effectivement. Et donc nous t'écoutons. Les éclaireurs du roi apportèrent de mauvaises nouvelles. D'autres gors arrivaient. Des gors avaient été aperçus au nord.
placés maintenant à Gord sur la case 8 et 15. Ils avaient fait des ravages dans la forêt. Placés maintenant à Gord sur les cases 48 et 53. Et ils ont aussi apparu dans la mine naine au sud, placée maintenant à Gore sur la case 43. Règle de mise en place générale, valable pour les créatures. Si une créature se trouve déjà sur une de ces cases, la nouvelle créature est déplacée de la case occupée vers la case suivante, dans le sens de la flèche. Remarque, les créatures ne retournent jamais les jetons brouillard ou puits. Donc il faut mettre des gores partout. Et donc c'est la merde, Michel. Il faut en mettre sur 8, 15, 48, 53. Nous on était 43. Là en mode, ouais, il nous en reste un à péter la gueule, ouais, ça va et être ben pas. Non. Probablement, j'ai. J'en ai une qui a faim. Donc tu m'as dit, il en faut 5, c'est ça? C'est ça. À la 8, 15, 43 et après j'ai plus. 48, 43 et 53. Oh. 43. 8. 15. 15. 48. Ah bah 8 à côté là. 48. 42. Il y a 8, 15, 48, 53, 43. Alors là, par contre, il va falloir. 53, elle est là. Il va falloir se discuter. 48, elle est là. Ok. Yes. Ramène-toi là, mon câble. Ramène-toi là, mon câble. T'as vu comment elle parle. Ça, et tu traînes trop sur Paris. C'est une violence. Non, mais je le sais, hein, parce que quand j'étais là-bas, tout le monde parlait comme ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Là. C'est, je suis contaminée. Épide Maïs a pas l'air d'être assise confortablement. Go t'asseoir par terre et utiliser le canapé en dossier. Ouais, parce que j'ai vraiment mal mais au dos. Ça se voit. J'ai c'est vrai trop, trop mal au dos. C'est quoi en gris le... C'est le brouillard. Prends un truc là si tu veux poser ton cul dessus. Ça. T'inquiète. Pousse la table un peu. Non, un je suis peu. Bien là. Ouais, mais après, non, tu mais ça, ça tient pas. Il a dit que tu poses ton cul dessus. Non, moi, je suis bien là. Je suis bien là. Je suis bien là. Tu vas faire quoi? Si tu veux faire. Tu vas faire quoi là? Très bien. Donc on continue. Hein. En gris, c'est le brouillard. Pour répondre à Shinimazu. Très bien. Donc la mission des héros est de vaincre les créatures avant qu'elles n'atteignent le château, hein, je le rappelle. Hein. D'accord. Donc, il faudra qu'on continue. Vous devez m'avoir. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, celle-ci, de toute façon, elle est morte. C'est sûr et certain, vous allez vous y mettre à deux. Moi, du coup, ce que je peux faire. C'est retourner vers le château. Peut-être. Ouais. Alors. Moi, ce que je pense faire, c'est d'abord passer par le puits, hein, histoire de me remettre à point, parce que moi, je suis un peu en galère. Je passe par le puits, après je fais du coup 1, 2, 3. T'auras utilisé du coup 4 heures. T'auras 3 heures pour lui casser la gueule. Hein. Après, on pourra potentiellement faire un renfort. Ouais. Parce que je pense que, franchement, si on s'y met bien, en 1 ou 2 heures, on lui casse la gueule. Bah c'est vrai que le truc c'est vraiment le château qu'il faut protéger, c'est ça, ouais. Oui. Dans l'idée. Les autres ils sont là-bas, on s'en fout quoi pour l'instant. Oui voilà. Ouais, moi j'ai ma mine ici. Ah mais hé, va faire le trajet hein. Effectivement. Ah oui. Ouais bon on fait ça. On lui casse la gueule et ensuite on remonte pour péter ce en haut. Là. Ouais. Puis je pense qu'on pourra potentiellement terminer le tour. Alors par contre, malheureusement, c'est Maïlys qui commence, sauf que Maïlys est déjà bien placé pour attaquer. Bah du coup, mais on attaque en groupe. Oui, je suis c'est vrai, on va vous attaquer direct. Bah ouais. Ouais. Ouais, je suis con. Non, t'as juste pas fait attention. Oui. On fait ça alors. Voilà. Vous attaquez en groupe. Parfait. Alors, faut que le DM. Alors c'est à toi de commencer. Oui, oui. Donc déjà, ça fait 6 direct. Ouais, ton petit carré, il a complètement bougé. Ouais. Donc ça fait 6 direct. On a 6, 9. Plus 6, ça fait... 12 plus 1 ça fait 13. 13. Joueur français qui est. Ah mince. C'est dommage parce que si j'avais été dans la bataille, lors d'un combat en gros, vous pouvez retourner un des dés d'un autre héros au lieu du vôtre. Après 13, au mieux elle fait 8. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'on l'a déjà éliminé. Hein. Ouais, tu peux quand même le one shot. Ouais. Ah, elle fait 8. 6. Bah, ah oui, 8. 9, 10. 9, 10. Ah, du coup, il lui reste un point. Eh oui. Haha. Je résiste. Elle nous casse les couilles. Voilà, pour un point, du coup, allez-y. Oh, mais il est trop méchant. Il veut absolument te voir mort. Hein. Ça fait 12, 17. Bah, tu peux faire ouais, ce que tu pense, veux. Ouais, je pense. Ouais, voilà. Faire ce que tu veux, là, tu peux pas avoir... ça fait deux fois alors, que tu attends. Dis ça. Ça fait 12, 13, 14, mais ça fait 3 points. Ah merde. Donc, il est quand même mort, mais ah, c'était... Mort. C'était beau. Non, c'était beau. Ah, okay. C'était beau. J'étais là, quand même, en renfort pour... Ouais. Le groupe.
Tac, 4, parfait. Aïe, aïe, aïe. Et on avait déjà avancé notre heure, hein, c'est bon. Du coup, vous pouvez donc gagner soit un point de volonté, soit des pièces d'or, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, on partage. Moi, je veux un point de volonté. Je vais prendre un point de volonté aussi. Hein. Vas-y, montez, comme ça vous allez peut-être gagner un dé en plus. Moi, ça sert à rien, les points. Enfin, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours qu'un seul dé, peu importe ma volonté, mais bon. Toi, faut juste que tu gardes de la volonté. Au moins, je pense, dans la deuxième ligne pour éviter de mourir. Oui, c'est surtout ça. Voilà. Okay, bah du coup tu peux... Bah c'est à toi. Hein. C'est à moi? Ah oui, du coup vu qu'on attaque en groupe, c'est à moi. Ouais. C'est quoi le plus proche pour toi? Bah peu importe, parce que j'ai en fait je suis sur le château. Je vais devoir m'arrêter là pour prendre les points de volonté, après je vais faire 1, 2, 3 ou 3. Bah je vais en 8, comme ça on se rejoint tous en 8. Vas-y. Du coup je fais 1, 2... Quoi que je vais peut-être m'arrêter là. Après, moi je peux aller jusque là-bas. Je peux aller jusque là-bas et lui péter la gueule à lui. Et il y aura lui là-bas par contre. Donc t'es à 3 là. 1, 2, 3. Ça va être. Ou sinon, je peux aller jusqu'en haut pour le. Je vois pas le numéro là-bas. Je suis tout en haut et je reste à la case adjacente. Ça, je peux faire pour le tuer celui le plus en haut. Ce qui vous évite moins de déplacements. Mais si j'avance encore d'un cran, moi il reste qu'une seule heure pour un combat en groupe. Donc faudrait qu'on soit très bon. Faire des heures supplémentaires. Voilà, ou faire des heures supplémentaires, ce qui me ferait perdre de la volonté potentiellement. Après j'ai 9, je peux en perdre. Il n'y a pas de souci. Tu peux en perdre 2. Ouais. Sinon tu pars en dessous avec un seul dé et toi un seul dé. Parce que là si jamais on passe la journée, il y en aura un qui rentrera dans le château forcément. Et on a le droit qu'à 2. Il faut dégommer un des deux, obligatoirement. Ouais. Le plus proche pour vous, et moi je fais l'autre. On fait quoi? Est-ce que on attend en 7 et on en laisse passer un? Ou est-ce qu'on. Ou est-ce que je me mets en 8, je fais une heure sup et on leur casse la gueule au moins un? Et vous aurez peut-être la. Et on pourra choper le dernier en 7. De toute façon, je peux en tirer un de côté. Donc. On est coincé là, faudra forcément faire du sup, je pense. Ouais, je pense. Ou attendre la prochaine journée, si possible. Après, si on attend la prochaine journée, il y en a un qui rentre. Moi, je peux tenter d'en tuer un avec en 3 heures. Ouais, il faut économiser le temps en fait. Tu dépenseras forcément 4 points de déplacement, donc 4 heures. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. 4 heures, mais après ah oui, t'as pas encore commencé toi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas encore commencé. Moi ça gaze, c'est pour ça que je vais essayer d'en tuer en 3 heures. D'accord. Après, je peux faire une heure sup. Et on peut faire un combat en groupe en 2 heures. Et ouais, ça irait beaucoup mieux en combat de groupe. Hein. Ouais. On fait quoi? On fait comme ça? Je mets en 8 et on essaye de fight en combat de groupe. Et au pire des cas, il en a juste le 15, il avancera en 7 et on pourra le choper à la prochaine journée. Parce que eux ils sont loin, on a le temps avant de les voir arriver. Oui. Donc vas-y viens, on fait un combat de groupe direct. Vas-y. Du coup avancement encore d'une heure, ouais. Je vais en 8. Comme ça je le chope en 8 quand t'arrives. Du coup je vais direct, hein. Je passe pas voir lui. 1, 2, 3, 4. Ok. Hop. Et du coup c'est toi qui engage le... Ah oui. Ça Maëlys. Oui. Ah oui, du coup Maëlys, faut que tu te décales de... Bah déplace, mais c'est moi jusqu'à la case d'à côté. En 11. Non, jusqu'à la case... Bah non, ouais. Ah bah jusqu'au château, juste. Bah non, château il est pas accolé, ouais. Bah non, faut aller en 7. En 7 je mets. Vas-y, mets-moi en 7, comme ça je suis... Ça fait combien? Ça fait 2. Ok, donc là, on devrait plutôt bien lui péter la gueule. Donc c'est toi qui engage le combat. Non, c'est toujours toi. C'est toujours moi. C'est déplacé. C'est soit déplacé, soit attaqué. Donc c'est toi qui. C'est moi qui engage le combat, mais ça peut attaquer les deux. On va tous lancer. Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Ouais. J'attends de voir comment. Mais là, du coup, on va tous lancer. Voilà, on va tous lancer. Donc déjà, on a combien? On a 6, 8, 8 points de force déjà. Ouais, 8 points de force. 13. 5, ça fait 13. C'est à toi de lancer. Ça fait 18. Bah il est mort. Ouais. Vas-y, fais-le quoi. Ouais, vas-y. Oui, jette. Ouais, bah il est mort. 18, ça fait 23. Voilà. Je le fais quand même. 6. Ouais, c'est un one shot. Hein. Ouais, c'est un one shot.
Il y a les vitues. Donc on se partage 2 pièces d'or ou 2 points de volonté ou 1 pièce d'or ou 1 point de volonté. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Prenez pour vous. T'es techniquement celui qui est le plus mal en point actuellement, donc Pierre prend. Tu prends les deux ? Ouais, prends les deux points. Comment ils prennent soin de toi ? C'est gentil. Bah à la base j'étais à 10, c'est vrai que du coup mon seul combat il m'a fait descendre tellement c'est bas. Moi. Est-ce qu'on finit la journée ? Bah je peux péter la gueule à l'autre là. Tu veux le tenter en 2 heures ? Ouais. Parce mais qu'on sera pas dans le combat. Je peux m'arrêter quand je veux en fait, avec ma capacité spéciale. Eh ! C'est pas faux. C'est pas faux. Bah vas-y, c'est quoi ta capacité ? Essaye de lui péter la gueule. Lors des combats, vous jetez vos dés l'un après l'autre. Putain, j'ai pas fait l'un après l'autre tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je le lance d'un coup, mais c'était l'un après l'autre. Après chaque lancer, vous décidez soit de... J'ai mal joué. Soit de vous arrêter et de garder le dé, soit de faire un autre lancer, seul le dernier dé est pris en compte. J'ai mal joué depuis tout à l'heure. C'est pas grave. C'est bon. Vous pouvez toujours attaquer une créature d'une case adjacente. Voilà. Cette fois-ci, on va bien jouer. Cinq. Ça fait 8. Je peux m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. T'as gagné de toute façon. 6. Ça fait 2. Ouais. Donc 2. Ok, elle a 2. Et du coup, on va l'avancer. Tu rattaques ? Ouais. Donc là, il faut que tu lui infliges 2. Faut que essaie d'avoir un 6. Hein. Ouh. Elle a peur de jouer le dernier là. Au pire des cas, Maïlys, c'est pas super grave parce qu'il avancera que d'une case et on pourra le choper au tour suivant. Ouais, on va faire ça. C'est pas grave au pire. Donc lui il régène à 4, hein, on est d'accord. Attends, d'abord. Ah oui. Donc ça fait 5, 6, ça fait 2. Donc bah, c'est bon, allez, il est mort. One shot. Bien joué. Ça passe. Ciao. 2 pièces d'or. Je vais prendre. Bah en vrai les pièces d'or on n'a pas besoin pour l'instant donc prenez de la volonté. Ouais je vais prendre de la volonté. Et puis là ça va vous faire gagner un dé en plus, c'est pas négligeable. Ouais. Ok du coup fin de journée. Fin de journée. D'accord. Donc si je me trompe pas, faut avancer lui. Effectivement. Et on n'a pas de légende. Bien. Non, on n'a pas de légende. C'est pas le papier là, c'est le papier là. Pouette. Par contre, on a un événement qui pop. Pop. Événement qui pop. Pop pop. Une source rafraîchissante fut découverte. Ouh. Tous les héros qui se trouvent sur les cases numérotées de 0 à 9 gagnent 2 points de volonté chacun. Ainsi, nous gagnons tous 2 points de volonté. Quelle voix suave. C'est cool ça. Des points de volonté parce qu'il y a une source qui est apparue. C'est ça. C'est trop cool. Ça nous met bien. Non, moi j'ai les 5 dés. En fait, c'est de l'eau magique. Voilà. C'est de la drogue. Ok, du coup, on avance les Grolls. J'ai oublié leur nom, je crois. C'est les Gors. Les Gors. Les Gors. Hop, et lui en calante, c'est. Oh, j'arrête pas de lécher mon micro. Il a fait. Au moins, il va être tout propre. Soit il sera tout propre, soit il va appuyer de la gueule, je sais pas. Donc c'est à... C'est à qui d'entamer le tour du coup ? Hop. Donc c'est bon, on a avancé aussi le Jackie, donc ouais. C'est bon, on est bien. Et donc c'est à moi de commencer puisque c'est moi qui finis mon tour en premier. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez combien de déplacements jusque là-bas ? 1, 2, bah non, 1, 2, 3. 3 ? 3, ça va ? Vous le tentez tous les deux en même temps ? En sachant qu'on fera pop un événement en même temps. Même 2. Bah si on s'arrête. Si on s'arrête, hein. Après, alors si tu nous rejoins, tu peux le faire pop toi. Okay. Ils sont activés que si un héros termine son déplacement dessus. Voilà, donc voilà. En fait, ce qu'on peut faire, on peut les déclencher tous les deux. Genre j'y vais, genre 1, 2, 3, je le fais pop. C'est quoi ? C'est normal que la carte est différente, je crois.
Alors, il m'a pas dit si c'était. Parce que oui, c'est différents événements. Je sais pas si c'est que des événements en gris, les argents, ou si c'est les autres événements. Donc, moi j'ai tout mis comme événement, mais je suis pas sûr. Parce que là, le seul que t'as, c'est des événements du lac secret. Mais est-ce que vraiment c'est. Ça rentre dedans. Parce qu'il y a les événements argentés. Après. Après, ça monte une carte argentée. Je tiens une carte argentée. Alors vas-y, on enlève, on va mettre les cartes cœur argentées. Alors du coup. On connaît pas bien les règles encore. C'est le but du jeu. Exactement. Du coup, plutôt pas mal. Dis-moi. Un intense rayon de lumière transperça l'obscurité et renforça le moral des héros. Le groupe gagne un total de 5 euros. Points de volonté. 5 pièces d'or quoi. Ouais, 5 points de volonté. Non, 5 points de volonté. Ouais, les héros décident collectivement comment les partager. Qui en a le moins? Moi j'en ai le plus. Toi tu peux déjà en prendre. Bah déjà tous les deux, vous devez déjà en prendre 2. Ça me paraît logique. Et après vous vous démerdez avec. Bah moi d'autres. J'en prends 2, toi t'en prends 3, comme ça t'as un dé en plus. Ouais. Bah oui, c'est plus logique. Donc je monte à 14 et au prochain combat je lancerai mes 3 dés. Voilà. Très bien, du coup c'est à moi de me déplacer, c'est bien cela. Mais toi t'as tout le temps qu'un dé. Ouais, là, oui. Lui tout le temps qu'un dé. Aïe aïe aïe. C'est pour ça que lui la volonté il la garde juste de ta manière. Hein, c'est bon, mais c'est ma vie en fait. Voilà, lui c'est sa vie. C'est, voilà. Nous c'est notre puissance, lui c'est sa vie. Ok. Du coup, bah, je me déplace sur ta case avec. Ouais. Maëlys, tu te déplaces sur la dernière et on pourra attaquer au prochain tour. Let's go. Bah, 1-2. Ouais, voilà. Du coup, tu fais pop aussi l'événement. Une bonne trouvaille. Ah ! Placer 3 pièces d'or sur la case 26. Un héros qui arrive sur cette case ou qui l'occupe déjà peut les ramasser. Si plusieurs héros se trouvent sur la case, elles parviennent à celui au rang le plus bas. 3 pièces d'or, tu dis ? C'est cela, oui. La case 26. Right here. Dans le coin. Ouais, va aller chercher. Hein. T'as même pas envie d'y aller. Ouais, t'es fou. Tu sais, tu es moi, je veux mort. Ouais, ouais, non, flemme en fait. Ouais, c'est loin quoi, tu vois. Bah, tu mets une journée pour y aller quoi. Ouais. Du coup, Pollux. 5 euros. 5 euros, entame ton combat. Mes compagnons. J'ai quelque chose à vous annoncer. Heureusement que j'ai mieux au micro pour faire cette annonce très importante. Nous allons créer une alliance afin de pourfendre nos ennemis. Cet ennemi qui est assis là. Nous allons l'avoir. Je compte sur vous. Vous êtes avec moi ? Oui. Oui. Très bien. Nous allons te pourfendre maintenant. J'avais envie de dire avec une voix bizarre, mais je vais éviter. Vous allez avoir peur. Du coup, on a additionné déjà nos points de force, donc ça fait à nous, nous trois, ça fait 8. Voilà. 8 plus 6. Tour de magie. Donc lance tes dés, il y en a un, n'oublie pas. Ça fait 14. Ah, j'aurais pu le faire pour ah toi. Ah oui, mais tu as déjà fait toi. J'ai déjà fait. Après, c'est pas indiqué que je peux le faire qu'une fois par tour. Hein. Ah bah parfait! Donc ça fait 14, c'est 20. Ah. Alors là. On va le défoncer! 24. 24. Alors, à mon avis, t'es en galère. Hein. Bah, ça fait 6, donc ça fait 18. C'est à peu près ça! Très bien. Mais comment l'a attaqué? Y a pas. Mais à un moment, on aura plus de place ici, au fait. Mais je pense qu'en fait, il doit pas y en avoir plus. D'accord. Après, c'est possible qu'il y ait aussi des autres. Après, peut-être qu'ils repop. Ouais, on pourra les faire repop. Au pire, s'il y en a encore, il y en a encore un petit peu. Ouais. Et peut-être qu'il y en aura des plus méchants, hein. On sait pas. Hein. Bah oui, parce que t'en as déjà 3 qui ont des puissances plus fortes. Ouais. Donc, on se départage le butin. Du coup, c'est quoi encore? Bah, c'est 2 pièces d'heure ou 2 pièces. Ou 2 points d'expérience, n'importe quoi. Non, volonté. De volonté. Voilà. T'étais bien monté en volonté, toi. Bah eux ils sont au-dessus, hein. ils sont à 14 du coup, mais... Bah moi je propose que toi t'en prennes un point de volonté, Pollux, et toi un.
Ouais. Comme t'as seulement 2D. Bah ouais, du coup, là je suis à 3D et ça me conforte juste dans la position quoi, de 3D. Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Moi, de toute façon, je pense que je vais aller dégommer le dernier là. Enfin, celui-là là. D'accord. Ça me fait 2 déplacements. Ce qui fait qu'il faut que je fasse en 2 heures le combat. Ça va. T'as une petite musique épique quand t'annonces ça, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me va. Tu penses pour le défoncer en 2 heures? Ouais, bon, je vais faire ça. Du coup, je me déplace là. 1 et 2. Oh, c'est bizarre quand même, un monstre qui fait un bisou. Cette petite musique quand même. C'est pour okay. t'amadouer. Mmh. Ah, tu es donc une succube. Ah, du coup, c'est à nous. Belle créature. Je vais aller sur la case de brouillard Pollux en. Dis-moi. 32 ou 48 ? Je suis en train de regarder au fait où lui va aller. Lui, il va aller en 46. Il va se casser. Tu sais, ils sont teubés, ils passent pas par là. Bah, je vais en. Je vais en 48. Du coup, j'active. Voilà. Encore un événement. Et une heure. Est-ce que je prends celui-là ou pas du coup? Je le mets de côté celui-là. Ouais, mets de côté celui-là. Oh, le petit slalom. Elle peut tout de froid. Ville et bruit. Attendez. Attends. De ville et brutales créatures contaminèrent le puits du bois de la vigilance. Le jeton puits de la case 55 est retiré du jeu. C'est un puits de toute façon qu'on n'aurait peut-être pas eu ouais. l'opportunité d'y aller. C'est à toi. Retiré du jeu, c'est-à-dire que voilà, il est foutu. C'est fait casser la gueule. C'est fait casser. Et ça fait quoi si tu pop un puits? Si tu pop un puits. Si tu vas dans le puits quoi. En fait, le puits ça te donne des points de volonté. Voilà, c'est des points de volonté. En fait, t'en prends 3, tu le retournes et au prochain tour tu le remets en place. Elle en a marre. Vas-y, mais je vais avoir des. Alors. Fomis dans les pieds. Bobby la malice. Okay. Soit je vais dans le brouillard, mm-hmm. j'active le truc. Et après. Je pourrais faire rien du tout, je serais trop loin. Soit je fais 1, 2, j'active ici. Si tu me rejoins, on aura une heure, un seul essai pour le défoncer une fois. On peut le try. Au pire des cas, je fais une heure sup. Ça me fait perdre que 2 points, je retournerai à 2D, mais je pourrai les récupérer plus tard. C'est vrai qu'on peut faire les heures sup. Voilà. Au pire des cas, je perdrai que 2 points de volonté, je retournerai à 2D comme avant. J'adore quand on dit des heures sup, faudrait qu'on parle de travail. Mais c'est notre travail. Nous sommes des héros. Ouais. À temps plein. T'imagines comment ça devrait être chiant. Genre tout le monde, ouais, vous êtes des héros. Oh, flemme. Aujourd'hui, oh, j'ai pas envie, je prends congé. monsieur, un dragon nous attaque, je suis en repos. Je suis en congé là. C'est un problème. Ça ne concerne pas. Ah, allez voir Michel, il va très bien s'en sortir. Ouais, Michel Lacomte. Ouais. Du coup, on fait ça. On fait ça. Très bien. Donc, du coup, 1, 2. Ah. De l'or. C'est bien pour toi ici. J'ai une petite pièce. Tu me sors toujours mon pied, c'était magnifique. Oh merde. Ah là là. Au suivant. Va falloir que tu lui casses la gueule en 2 tours, hein, Micheline. Allez Ginette, hein, tu l'attaques. Ginette, c'est moi. Je sais pas avec toi, je peux pas. Je te regarde en mode, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Il t'a regardé au loin, il a fait. C'est honneur. Ah, le 6 voilà. qui va bien. Donc ça fait 9. 9. Et bien, c'est 6. Du coup, il lui reste un point de vie. Ouais. C'est dommage. Bon, bah, normalement, si tu gères bien, tu lui pètes la gueule maintenant. Maintenant. Voilà. Oh, voilà. Ça, c'était beau. Bon, hyper quand même. C'est bon, ouais, hyper quand même. Félicitations, Micheline. Alors, du coup, tu peux m'avancer. Ah, non, bah, du coup, déjà. Pièce d'or ou volonté?
Je vais prendre... Je vais prendre... une pièce et un volonté. Un point de volonté. Cette joueuse française qui prend de l'eau. Okay. Les monstres qui... coquettent. Tu as quelque chose à dire peut-être? Ça sent la fin là. Ça sent la fin arriver. Par contre, du coup, si on a tout ça à faire pour aller jusqu'au N, le dernier. Je fais chier. Ben là, on est en train de. Il ne nous en reste plus qu'un. Mais après, là, ça va monter. Il va y avoir quelque chose, peut-être. Et ben, il y aura sûrement des monstres à nouveau. Oui. Mais là, on gère plutôt bien. Hein. Ouais. Vraiment, ça casse. Du coup, ben, c'est la fin de la journée. Bah non, tu voulais tenter le combat. J'ai juste de venir sur ta case. Et il a oublié. Moi, combrâtre ? Ah ouais. Du coup, tu m'avances une heure et tu entames le combat. Et on entame le combat, du coup, tous les deux. Et donc, on est tous les trois à 7 heures, c'est beau. Donc, du coup, ça fait 5 déjà pour les points de force. On est à 5. Plus. Pardon. Elle s'est foutue de ta gueule. Non, c'est parce que Shinimasu, il a mis Yamete. Ça fait 14. Voilà, c'est tout. Yamete Kodasai. Ça fait 14. Du coup, tu peux jeter les dés. Yamete Kodasai. C'était archi beau. Oula. 4, 5, 6. C'est la décédence. C'est la décédence. Bah, du coup, tu vois, il n'y a plus de. Allez, c'est l'heure du dodo pour vous. Après 7 heures de sommeil. Après 7 heures de combat. Pièce d'or, volonté. On prend un volonté chacun. Une volonté chacun. Tu sais que tentacule, ça se dit chocouchou. La dernière fois, on avait regardé. Quoi ? Chocouchou. Ouais, parce que du coup, on disait Yamete, chocouchou. On sait n'importe quoi. Tout va bien. Ça va mieux là, non ? Ouais. Non, tout va bien. Très bien, du coup, fin de journée. Donc, Pouette, c'est moi qui ai engagé le combat. Donc, c'est Épi de Maïs qui se couche en premier. Et moi en dernier. Non, c'est toi après. Ah, oui, après. Qui se met plus vite en est. Tout va bien. Donc, tu peux avancer le pion. Avance les pions. Et c'est moi qui vais lire. La lecture de la joueuse française. Et c'est bien la lettre F qui est retournée. Attention les vélos, nous t'écoutons. Un des héros rencontra des pêcheurs en fuite. Un Skrull les avait agressés près du fleuve. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles créatures à Andorre. Leur retour ne laissait présager rien de bon. Placez maintenant un Skrull sur la case 32. Le combat contre les Skrulls fonctionnent également comme celui contre les Gorses. Cependant, les Skrulls sont beaucoup plus forts. Ils ont 6 points de force, 6 points de volonté et rapportent la récompense de 4 pièces ou points de volonté. Une fois vaincus, comme indiqué sur le plateau des créatures, c'est le plateau du jeu. Les Skrulls se déplacent après que tous les Gorses ont été déplacés, voir les symboles sur la case « Lever du soleil ». Ils se déplacent exactement de la même manière que les Gorses. Rappel, placez les créatures vaincues sur la case 80 à chaque fois. Avancez également le narrateur d'une case sur la piste des légendes. Donc on met un Skrulls sur la case 32. Bon, en gros, ça gaze, hein, puisque... Bah, il n'y en a qu'un pour l'instant. Ouais, il n'y en a qu'un pour l'instant et en fait, on est tous autour. Donc, en fait, vous rejoignez. Voilà, on va faire une attaque groupée et puis... Et ils ont 6 points. Ouais, mais tu vas mourir. Partout. Non, mais pour prévenir. Bah, c'est déjà. Tu vas mourir. De toute façon, si vous faites en groupe, forcément, je vais mourir. Moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessus pour avoir la case événement. Bah, de toute façon, vous serez obligé. Regarde le dernier message. Oh, bah non. Bah non, il veut mettre Gizmo sur le plateau et c'est le boss de fin. Parce qu'il a demandé la cage c'était quoi et je lui ai dit c'est le petit rat. Bah oui, mais non, mon pauvre Gizmo. De toute façon, il va venir, il va dire bah qu'est-ce que tu veux me donner à manger, il va manger les pièces. C'est clair. Il a pas compris. Bref. Bah,
Bah du coup non, ça sert. Je suis pas obligé en fait de me déplacer moi perso. Bah de toute façon on va être obligé. Pierrot va être obligé de venir sur la case, donc il va débloquer le machin et moi je vais venir juste après. Mais c'est toi du coup. Oui il est là. Ah. Et c'est toi du coup qui va. Du coup toi tu peux rester sur ta case et faut juste que tu avances d'une heure. Ils sont trop badass en fait, c'est des animaux les trucs. Ok. Bon ben j'avance d'une heure mais sans rien faire. Oui. 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 Ok. Bon ben du coup. Oulala, là c'est bizarre. Là. J'ai peur. Je pense qu'on va y aller. Salut. Salut. Alors. J'adore quand tu fais ça, c'est archi drôle. Du coup, c'est bon. Oui. Ouais. Du coup, tu peux me mettre là. Evenomie. Ah. 3. Nice. Plus 3. Bidubidu. Donc ça fait 1, 2. 1, 2. Et moi pareil. Et 2. Il pète sa gueule à lui là. Et let's go. To the beach. On lui casse la binette. Tu merde, c'est un par un. Ça lui fait un 6 en plus. Ouais. je vais le faire, mais. Tu vas le faire, vas-y. C'est pas mal ça. Ouais. Je crois que c'est bien aussi. Je reste là. Ouais, ouais. Reste là. Alors déjà, on a toujours 6, 7, 8. On a toujours 8 plus 5, donc 13. 13, 16. Oh, quoique, je peux te remplacer ton 1 par un 6 si tu veux. C'est comme tu le sens. C'est ton pouvoir. Sachant que toi, t'as qu'un un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Tu pourrais faire un 4, un 5 ou ce genre de choses. Donc là, on est à 16. Non, là, on est à 13 pour l'instant. 13, 19. Hop, voilà, on est à 19. 19, très bien. 19. Ah bah. Voilà. 23. Donc lui, il est déjà à 4. Là, je suis à 4. Et là, il y a 3. D'accord, donc. Ça fait 8. 4, 8. 8, 16. Attends. Ça fait. Bah, du coup, il a, on est à 23, combien on est à 24 23, on est à 23. Et il est à 8. Bah, du coup, voilà, c'est un 15. Ouais, il est one shot. Voilà. Il n'y a pas à chier des ronds de chapeau. Là, nos héros, ils sont là en mode quoi? Des créatures ancestrales? Pas vu, moi. De la rigolade. Après, ce qu'on peut faire là. Pourquoi on était à 8? Attends, je suis perdu. Parce que, au fait, il a 6. Ouais, et là, j'avais 4. Bah, là, t'as fait 4 OD, plus 4, ça fait 8. Non, elle est à. Non, ça fait 10. Non. Hein. Les gars, vous savez pas compter? Dans tous les cas, je suis morte. Bah, si, parce que là-bas, j'ai 6. Oui, et non, là, elle j'ai était 4. À 10. Non, c'est vrai. Mais vous savez pas compter. Bah non, parce que ça non, a rien à voir avec. Non, mais même les points de force, elle est à 4 quand même. Bah oui, c'est, ah ouais, c'est les points de force qui non, oui, non, non, elle est le D. Oui, elle est à 8. Non, elle est à 10 aussi. Parce qu'il a 6 points de force. Oui, il a 6. Garde. Non, ah, excuse-moi, les deux. J'avais vu le 4 en dessous. Non, garde. Autant pour un. Parce que, non, parce qu'au fait, le 4 en dessous, il rapporte 4 pièces d'or ou 4 points de volonté. D'accord. Mais il a 6 de force. Bah c'était ça ce que j'allais chercher. Donc il était à 10, mais on lui a quand même pété la gueule. Oui, parce que les scrolls, en fait, ils sont à 6 partout. Voilà. Très bien. Du coup, on fait quoi? On fait 4 pièces d'or. Bah, toi, tu peux prendre un de volonté. Ou si vous voulez des pièces d'or après. Non, vous... Parce que vous êtes riche maintenant. Après, on peut prendre des pièces d'or et aller acheter des points de force. C'est vrai que c'est. C'est toi qui irais. On peut tous y aller. Après, il y a les. Après, il y a les événements qu'on peut faire. On prend quoi? On a quoi? Moi j'ai encore 5 heures, vous avez encore 4 heures. Donc on peut faire ce qu'on veut en fait. Bon, on a 4 pièces d'or ou 4 points de volonté à partager, c'est comme vous voulez. Moi je prendrais bien quand même un point de volonté pour ma part. Tu prends un point de volonté? Ouais. Ouais, moi aussi je prends un point de volonté. Ça marche. Donc je prends, bah, moi je prends 2 pièces d'or. Ah, le nain cupide. Ouais, mais je vais me mettre full en force. Hop. Fonctionne. Très bien. Alors, du coup, pour moi, je vais aller. Si vous voulez, je peux aller vers les cases événements. Là où il y a les brouillards. Les brouillards. Oui. Je vais peut-être aller au plus loin. Tu piles les amandes, Punk. La meilleure du monde. Eh, hey, tu me piles les amandes. Merci. 5 euros.
Je vais aller jusque là. 44, on 44. A vu les amandes passer comme ça. C'est drôle. Ah bah oui. Bah oui. Comme ça, celui-là. On partage avec les lilas, en fait. Sais. Ce qui me fait 2, 1, 2, 3, 4. J'ai avancé de 4. Attends, je vais pas compter. Si, si, 4. Très bien, tu peux retourner. Un événement. Attends, attends. Putain, il mange ses amandes. Les ménestrels de l'arbre des champs se promenaient à travers le pays. Chaque héros peut dépenser une seule fois 2 pièces d'or pour gagner 5 points de volonté. Enfin. Non. Non. Là, on a de la volonté à crever, donc. Flemme. Ok. Ouais. Ou c'est les trucs de force que vous voulez. C'est ouais, ça c'est la force, les points de force, c'est important. Bon ouais. Bah moi je vais à la mine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bonne nuit. Ouais, ça va. Est-ce que je garde 2 pièces d'or ? Est-ce que je dépense tout ? Comme tu sens. J'ai gardé 2 pièces au cas où. Donc j'achète 3 points de force pour 3 pièces d'or. Putain, ce jeune homme. Quel homme. Il devient badass, ça y est. Les points de force, ils servent à quoi? C'est on les cumule avant le début de d'un combat. Ouais, le début d'un combat, ça fait des points en plus, ouais. Des points de combat en plus. Ok. Et du coup, moi je fais 1, 2, 3. Alors je te rejoins toi. Ça marche si je vais avec toi et que tu m'achètes. Je te donne l'argent et tu l'achètes à ma place. En soi, on pourrait faire des trafics. Les points de force que vous achetez à la mine des nains vous coûtent une pièce d'or chacun. Au lieu de 2. Oui, non, ça marche pas. 1, 2, 3. Pouette. 1, 2, 3. Et donc là, bah, j'achète un point de force pour 2. Auprès du marchand. Et je pense que c'est la fin de journée. À part si tu veux faire. Tu peux encore faire 1. Ouais, moi je vais faire un événement là-bas. Hop. Non, on est un peu dispersé sur la carte. J'espère que ça va aller. Ouais. Ah, du coup, la vidéo a. Mais t'en pause, mais qu'est-ce que tu m'en pause, Bobby? On est toujours là, nous. Hein. Il était en train de dire Shinimazu. Hop, une musique. Ah, ça, je viens de voir, toi là. Des gores dévastèrent le pays et abattirent une partie de la forêt. Trop bien. Seuls le guerrier et l'archer sont concernés. Donc, t'es le seul concerné. S'ils ont plus de 12 points de volonté, ils doivent réduire leurs points de volonté à 12. Ah, triste. Merde. Donc, tu redescends à 12 de points de volonté. Ouais, ça fait chier ça. Hein. Ah, c'est con parce que tu peux plus aller sur le puits. Tu pourras aller au puits au prochain. Tu remonteras. Oui. Stiff. Bon ben, fin de journée. Fin de journée. Du coup, c'était donc Maïs qui a fait. Donc, ça va être le Pierrot. Hop, qui va faire Cocorico le premier. Heureusement que j'avais augmenté mes points de volonté. Voilà. Et du coup. Hop, on va avancer le pion blanc aussi, non? La fiche, tout à fait. D'abord, il faut piocher un événement. D'accord. Attends, je mange. Feu de forêt. Tous les héros qui se trouvent dans une case de forêt perdent un point de force chacun. Si un héros a seulement un point de force, il n'est pas concerné. Personne n'est dans une case de forêt. Non. On est sauvé. Tout va bien. Heureusement, ça fait chier ça. Ouais. Déplacer tous les... Bah, il y en a pas. Toutes les créatures, il y en a pas. Les puits, ils sont pas séchés, tout va bien. Et donc, on fait avancer le narrateur d'une case. Déjà fait. Et donc... Une nouvelle journée commence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, mais y'a plus rien du coup. Bah on peut aller faire les événements. Bah moi je vais aller. Bah oui, on va visiter. Hein. Faut moi, pas remettre le brouillard des fois ou pas? Bah non. Non, ok. Bon bah tu vas au puits toi? Ouais, je vais aller au puits. Bon, je vais au brouillard 42. Okay. Bon bah vas-y. Hein. Deux heures. 2 heures pour aller au brouillard. Ah, c'est un monstre! Ah! Oh, félicitations, c'est un monstre! Et c'est un gorge! Allez hop, on va le mettre là-bas. Non mais je mets ceux qui... Non ? Je sais pas. Oui. Parce que sinon tu vas te casser le cul à chaque fois d'en chercher. Vas-y. Ah ! C'est le mal. Oui. Je casserai la gueule après. Oui. Ouais. Là j'ai juste activé... Ah quoi qu'attends, j'ai activé l'événement, est-ce que je peux lui casser la gueule ou... Bah non, du coup tu... Ah parce que je me suis déplacé sur l'événement. Déplacé, d'accord, ouais, je vous casse la gueule après. Hein, ok, du coup ce que je vais faire moi... 1, 2, 3... Et du coup, je vais récupérer...
1, 2, 3. Ouais, je suis à 19. On est bien. Et du coup, j'irai peut-être récupérer les pièces d'or aussi, maintenant que j'y suis. Moi, je vais. Bah, tu voulais aller au puits, toi, non? Bah, d'abord, je vais t'aider. Et de toute façon, je récupère. Après, j'ai, ouais, j'ai activé l'événement au pire à côté. J'ai, hein. J'ai récupéré ouais. des points de force à un pire. Hein. Le brouillard. Ou après, si tu veux, tu peux aller activer le brouillard et tu récupères tes points après. Ouais, je vais aller là. Du coup, j'active le brouillard. C'est une pièce d'or. Yes. Une seule. Une seule. C'est bien. C'est pas mal, c'est mieux que rien. C'est pour aller t'acheter des points de force. Ouais. Tu peux aller à la mine. Ok. So, j'entame le. D'abord, la musique ne va pas avec. Hein. Ouais. C'est, là, c'est une musique genre. C'est le démon Satan qui. Non, on dirait en fait, Dracula le truc. Est-ce qu'on m'a avancé Oui, une petite, petite musique. Tu veux une petite musique mieux? Dracula là. C'est ce que je t'ai dit, c'est vraiment Dracula. C'est du Warhammer. Hein. Bonjour, bienvenue dans The Live. Être en paix avec notre âme. Là, c'est clairement ça. Non, mais t'as vu la musique? Mais c'est, c'est clairement la musique là. Tu fais des interférences. Oui, à mort. Petit abruti. Oh, les oreilles. Comme édition. Pour une fois que c'est même pas mon téléphone en plus. Nous sommes ici pour faire un avec notre corps et c'est notre esprit. C'est si reposant de vous regarder jouer. Amen. Ah, tu trouves ça reposant de regarder des mongols? Bah écoute, attends, t'as vu la musique que tu viens de mettre? Moi, ouais, je lui casse la gueule. Bah, c'est parce qu'il leur casse la gueule, mais en... En douceur. 5, ça fait 11 déjà. Ah, j'avoue, ils sont en plein combat à la petite... C'est n'importe quoi. C'est en mode, ah. On se fait la guerre, hein. Mais on y va 11, gentil. Ça fait 17, ça fait 20. Allez, c'est pas moi, là. Non, c'est moi parce que je me suis rapproché de mon. Eh ben voilà. 6. Eh ben, ça fait 8. Eh ben, tu meurs. Ah, les journées, elles se passent bien en ce moment, quand même. Hein. Je suis morte. Partagez-vous, avec du coup, la paix, de, la paix dans l'âme. Ouais. Les, bah, tu peux récupérer, du coup, quelques points de. On peut se partager deux pièces d'or ou deux points. Bah, vu que là c'est la balade pour vous, la musique elle va bien. Moi je te propose, comme t'as deux pièces d'or, tu récupères deux pièces d'or. Moi de toute façon je vais au puits. Ouais. Et tu retournes à la mine. Et après moi je vais à la mine. Retourne à la mine. Je retourne à la mine aussi reprendre deux points. Putain, ce nain va être tellement badass. Donc deux points ici. Toi tu récupères. Elle va au puits. Moi j'irai au puits. Mais il n'y a pas de. Moi, il n'y a pas de pièces. D'accord. Parce qu'il a déjà pris deux pièces. Moi, je prends les deux. En fait, c'est 4. Hein. Non, non, c'est 2. C'est parce deux. Que c'était un gorse. Ah, pardon, excuse-moi. C'était pas un scrap. Le temps pour moi. Oula, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs. Et je crois que normalement, il faut lui avancer du 1 là. Et du 1 Oui. Comme il a fait le combat. Bah, toi aussi, du coup. Bah, j'ai pas joué. Enfin, je l'ai aidé. Mais du coup, ça avance quand même. Oui, mais t'avances quand même. Bien. Tu participes aussi au combat. Ouais. C'est un combat de groupe. Okay. Du coup, c'est à toi. Ça va, on gère bien du coup. Ouais. Bah, le plateau est vide quoi. Ouais, même le jeu, on commence vraiment à bien le connaître quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Votre or, monseigneur. Parfait. Par contre, après, je serais beaucoup trop loin pour aller racheter des points, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nadine, ça sera. Ça sera plus tard. Tu peux déjà t'avancer d'une heure. Pour. Bah tu peux déjà aller. Bah oui, tu peux déjà t'avancer d'une heure. Ouais, au pire, mets-toi déjà en 27 ou en 25 et tu t'avances déjà d'une heure, comme ça t'es tranquille. Ouais. Ah, mais je me suis déplacé pour aller aux pièces d'or. C'est après, c'est à vous. C'est comme quand tu t'arrêtes sur un truc. Tu retournes, tu peux prendre 3 points de volonté. Cette petite musique. On est bien. Tu peux m'augmenter de 2 heures et elle d'une heure. Moi je retourne à la mine. Je redépense 2 pièces d'or. Je reprends 2 points de force, c'est à 8. Ce nain pauvre. Ouais mais je suis fort. Tu deviens. Ouais, tu deviens sacrément badass. Bah, au fait, je prépare parce que je vois qu'il y a l'air d'avoir des putains de monstres ici. Et je suis en train de me dire, oula. Genre là et là, mon ami. Tu vois. Bah, du coup, moi je vais là-bas. 1, 2. Et du coup, moi je suis obligé de. Tu vois, c'est coup, 2 pièces. J'ai pas joué, moi. Ah merde. Je vais aller là. Et tu seras donc le premier à finir ton tour. Ok. Donc moi c'est 2 pièces d'or pour 1 point de force, c'est ça? C'est ça. Je vais déjà en. Tu peux en dépenser pour en prendre 2. Ouais, je vais en prendre 2. Tac. S'il vous plaît.
Donc je monte à 5. Parfait. Et donc le nain, que fais-tu? Moi je termine ma journée là. Je termine ta journée, donc voilà. C'est toi qui finis en premier. Moi aussi. Et les pieds de maïs. Ouais. Très bien. On peut avancer le pion narrateur. Il va se passer un événement. Je crois qu'il y a un événement. Je pense que ça va être et la il merde. Y aura une carte à lire, je crois, également. Tout à fait. C'est pas celle-là, si. Attends, si, il y a toujours une comme ça. C'est ta pierre. Pollux. C'est de la merde. Tant pis. Des gores dévastèrent le pays et détruisirent les rares voies d'accès à la montagne. Seuls le sorcier et le nain sont concernés. S'ils ont plus de 12 points de volonté, ils doivent réduire leurs points de volonté à 12. Comme Maïs qui sait pas quoi. J'étais à 19, c'est génial. Et regarde où est le puits si tu veux aller te ravitailler. Ah attends, bah d'ailleurs mais on n'a pas fait ça faut... en fait. Oui, il faut faire ça aussi. Voilà, oh bah c'est bon, t'es à côté. C'est bien. J'irai reprendre tes points après. Très bien. Ok, du coup on enchaîne avec le Aude. Oui. Tu vas devoir lire. Ouais. H 1 plus H. Non. Oh là là. C'est toi qui avais dit la dernière fois H 1 Z 1. Oh mais vous m'avez compris. Oui je me suis trompé la dernière fois. Je m'as trompé. Donc t'as deux cartes à lire. Cool. Et donc nous t'écoutons. Un coursier apporta au héros un message du roi Brandur. Mes amis, je vous remercie pour votre aide. La situation est grave. Le pont suspendu sur le fleuve a été détruit. Placez un jeton X rouge sur le pont suspendu. Il est désormais impraticable. Les cases 16 et 48 ne sont plus adjacentes. Si un gore se trouve sur la case 48, il reste simplement en place au lever du soleil. J'ai rédigé un avertissement pour nos alliés, les gardiens de l'arbre des champs. Vous devez réussir à leur remettre cette lettre. Placez un jeton parchemin sur la case 5. Un héros peut, en commençant ou en achevant son déplacement sur cette case, ramasser le parchemin et le placer sur une des petites cases équipement de sa fiche de héros. Il ne peut pas le faire durant un déplacement ou un combat. La mission. Le parchemin doit être apporté à l'arbre de champ case 57, avant que le narrateur n'atteigne la case N de la piste des légendes. Si le parchemin est amené sur la case 57, la légende se termine immédiatement et le narrateur est tout de suite avancé sur la case N. Donc là, on a la possibilité de finir le jeu. Oui. Pollux ? Oui. Il va falloir que tu rushes le parchemin. Oui. Il va falloir que tu cherches le moyen le plus rapide de venir. Oui. Oui. Si vous voulez la truc, hein. Après j'ai la deuxième. Ah, la deuxième à lire, pardonnez-moi. Allons-y pour la deuxième. Important. Si le parchemin ou le héros qui porte le parchemin se trouve sur la même case qu'une créature, la légende est aussitôt perdue. Cela est également valable si le héros qui porte le parchemin traverse une case occupée par une créature. J'ai bien peur que les gores et les scrolls veuillent s'emparer de cette lettre. « Je compte sur vous !» concluait le roi dans son message. Placez un gorz sur les cases 19, 36, 56. Bon, en vrai, ça va, hein, c'est que 3. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais non, mais c'est le temps qui place, tu vois. Je vous attends. Et un scroll sur les cases 54 et 64. C'est pas fini. Attention. Le porteur du parchemin doit être prudent. En fin de journée, il doit éviter d'occuper une case sur laquelle va se déplacer une créature au lever du soleil. Important, un héros peut déposer le parchemin, ou des pièces d'or et d'autres objets qui apparaîtront dans les prochaines légendes, sur la case où il se trouve. Là, lui ou un autre héros peuvent le ramasser en commençant ou en terminant leur déplacement sur cette case. Si au moins deux héros se trouvent sur la même case à la fin de leur déplacement, ils peuvent s'échanger ou s'offrir des objets et ou des pièces d'or. Les points de force et de volonté ne peuvent jamais être donnés ou échangés. Si vous avez réussi la légende ou si vous avez échoué prématurément, lisez la carte N à haute voix. Okay, très bien. Parfait. Il y a plein d'informations pour Pollux. Cette partie. Ouais.
faire le con. Attends, je relis pour être sûr. On peut perdre comme des connards. J'ai pas le temps de rentrer. Mais on peut gagner comme des boss. Mais moi j'ai déjà une idée pour Oui, oui, oui. On est dans la merde. Stéphane, il est archi drôle en vrai. Tu t'éclates, hein. Oui. Du coup, donc chercher le parchemin. Tiens, il faut que je le tue en deux tours. Du coup, il est plus là. En fin de journée, il doit éviter d'occuper une case sur laquelle va se déplacer une créature. Shinimazu demande : c'est quoi le tatouage de Monsieur Viril ? Alors ? Attention ! Assis-toi ! On voit mon bras là ? Attends, je sais pas. Si, on voit mon bras. Bien sûr. Au retour là. Ça va alors. Du coup, là, il y a une tête. Donc de félin, il y a une moitié de tigre blanc, une moitié de panthère noir que j'ai en commun avec mon frère. Si on voit bien, ça va. Ici, il y a trois triangles qui du coup correspondent à, donc moi, à mon frère et mon cousin. Hein. Et sinon, elle est dure là. Là, il y a toute une forêt sur le reste du bras. Que t'as fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Avec, je sais pas si on la voit, une petite tête de cerf en négatif ici. Voilà. Et il est encore en train de peler, donc il est relativement. C'est si beau, il a dit. C'est gentil. Bon, on n'a pas trop vu la tête de ça, du coup. Parfait. Du coup, je relis juste les choses importantes. Donc apparemment, au niveau... sur le, donc si le parchemin ou les héros qui portent le parchemin se trouvent sur la même case qu'une créature, la légende est aussitôt perdue. Oui, parce que les créatures veulent s'emparer du parchemin. Tout à fait. Apparemment, l'objectif des créatures, c'est de s'emparer du parchemin. Donc cela est également valable si le héros qui porte le parchemin traverse une case occupée par une créature. Donc si c'est vraiment... toi qui l'a, faut que tu fasses méga gaffe, c'est ça? Tout à fait. Je pense que je suis le plus apte à cela, puisque en combat, je ne suis pas non plus le plus fortiche. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est si vous êtes sur la même case, vous pouvez vous échanger des trucs. Bah en fait, normalement, on peut gagner des objets dans la partie, mais il faut dire qu'on a gagné aucun objet depuis le début du jeu. Oui. Ok. Ça mais sinon, vous tard, pouvez les échanger ou les laisser sur la case. Mais là, on peut s'échanger aussi des pièces d'or. Ouais. Oui. Ça, c'est important. Du coup, donc, Artum Bicyclette, là. Moi, je vais aller jusque-là. Mais c'est pas moi qui commence la journée. C'est moi qui commence la journée. Moi, je vais aller au puits pour récupérer pour mes 3D. Et j'irai aller affronter le Skrulls et sûrement le Gorz. Sachant que les Skrulls ils ont 6 hein, ouais. Et les Gorz ils ont 4. C'est ça. Voilà. Faut pas oublier. 4 de volonté, 2 de force. Oui, voilà, c'est ça. Et les Skrulls ils ont 6 et 6. Voilà. Est-ce que pour lui plutôt t'attendrais pas la fin de journée ou qu'on te rejoigne? Doudou. Pour le Skrulls. T'as oublié qu'il y avait un meuble derrière. Après, une fois que j'aurais pris le puits, j'aurais récupéré 3 points de volonté et j'ai 8 points de force. Hein. Je peux tenter de soloter le Skrulls. Toi, faudrait que tu ailles aller jusqu'à choper la le. 72. Ah, ou alors est-ce que je prends le puits et je reviens, sur la première partie là, parce qu'on a quand même deux monstres et dont deux gants. Mais celui-là, il nous manque pas case. Un scroll sur le terrain là. Non, il y en avait un et deux gors et trois. Il n'y avait pas trois gors et deux scrolls. Si. 3 gores et 2 scrolls, oui. Oui, c'est C'était ça. C'était 54, non, je crois. Il y en a, alors, les gores, il y en a en 19, 36, 56. Ça, c'est bon. Mais les scrolls, il y en avait un dans il y en manque 54, 54 et 64. Ouais. Il nous en manque un en 54. Ouais. Faut que tu le sortes, en fait. Intéresse. C'est 64 et 54. Ouais. C'est ça. En fait, ils entourent l'arbre, l'arbre de vie. L'arbre du champ, des champs. Ouais. L'arbre de vie. La choucroute est avancée. L'Yggdrasil. C'est ça. C'est pas, mais celle-là. Ah Du coup, ça va nous demander de revoir nos plans. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de monde ici. Je crois que tu es un peu loin. De... Bah, moi, de toute façon, je vais aller dégommer lui. Voilà, ouais, il faut. De toute manière, il faut que j'aille là-bas pour laisser passer. Moi, mon objectif, après, c'est le parchemin. Pollux, tant que t'as pas ramassé contre, le parchemin, tu peux te battre. Il y avait une croix à mettre sur le pont. Ouais, c'est fait. C'est bon. Ah, j'avais pas vu. Le pont est barré. Pardon. Est-ce que tu essaierais pas d'aller choper l'oiseau le 19? Moi le 36. Toi le 36. Toi tu vas au puits. Je vais au puits et je vais choper le 64. Et ensuite, Pollux, tu vas récupérer le parchemin. Et nous, on s'occupe des deux autres. Et on s'occupe des deux autres. Ok. Ça vous dit ça? Ouais, ouais, on va faire ça. Hein, okay. Totalement. Bah, du coup, moi je vais au puits dans ce cas. Et ça me fait 2 points de déplacement. Et de 2. Et je récupère par contre du coup 3, donc je suis à 15. Très bien.
C'est à toi, Pollux. Donc du coup, je vais lui niquer sa grand-mère, c'est ça que tu es en train de me dire. Donc ça te fait 2. Ah oui, c'est vrai, tu te déplaces et après... Et d'abord, on se déplace ou on attaque, mais pas les deux. Tu peux te déplacer que 2 et tu l'attaques à distance. 3. Bah de 3. Ah oui, 3, parce que t'étais dans la mine avec moi. Ouais. Ok, bah du coup, je vais aller me déplacer sur le scroll. Donc ça fait avancer d'un. Moi, je engage le combat. Est-ce que t'es prête? Et le monstre allait retaquer. Donc, déjà 3 points. Ça fait 7. Attends, c'est un gorge. La violence. Waouh! 4! Il était fort celui-là! Donc ça fait 3! Je lui fais perdre 3! Putain, le mage! Oh là là! Et on continue! 6! Oh là là! Et voilà comment on gagne! C'était facile! J'ai pas ça la dernière fois! Hein. Ouh. Donc. Toi, c'est le Scrolls! Oui, mais c'est à toi de jouer. Non, c'était à toi. C'est moi qui joue en dernière. Je crois. Bah non, parce que... Je me suis mis des points de volonté. Ah oui, attends. Oui, du coup, c'est à moi de jouer, là. Oui. D'accord. Ah ouais. Donc moi, j'affronte le Scrolls. J'ai déjà 8 points de force. Plus 6. Ça fait... Un calcul. 14. Un calcul. 14. Mon monstre, s'il vous plaît. Salut. Il a pu voir son entrée, t'es. Même pas. 3. Ça fait 9. Ça fait 9. Donc t'es à 14, donc ça fait 5. Voilà. Et donc elle est plus qu'à 1. T'avais déjà avancé. J'avais de 1. Pas avancé de 1. Non, donc tu peux, ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Je vais sauter le scroll. Tellement. Donc là, tu récupères le loot tout seul. Ah oui, mais tu vas pas récupérer ton loot non plus, toi. Si, moi, j'ai, ah. Je me suis mis deux. Je vais prendre dans ce cas... En plus, toi, t'en as 4. T'as 4... Ouais, tu peux faire 2 et 2. Tu vas faire 2 et 2. Mince, alors où sont les... Où est l'argent? Où est l'argent? Rends l'argent aux abonnés. Rendez l'argent. Elle est bien, en vrai. Hein. Tout de suite. Dank. Bitoche. Maïlis, c'est l'heure du duel. Duel. Il y a plus de duel. L. Oui, mais j'ai un. C'est un bon déjà. Duel. Je vais m'arrêter là. Bah oui, t'es bien. C'est vrai, donc t'as 10. Ça fait 4. Il est mort. Ah, les points de force, ça fait tout de suite la différence. Ah, hein. On l'a pas enlevé, lui. Oui. Non, hein. J'ai tué, quoi. Ça commence à être chargé, là-bas. Hein. Ouais. Je vais prendre 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, s'il vous plaît, monsieur. Oui, emporté. Mais avec plaisir, bien entendu. Je vais faire une joie de vous le donner. Ouais, ouais. Je parle comme ça, maintenant. Oui, je fais ce que je veux. Scarron. T'as ça, toi, t'as un problème, tu te bats, ça. Sinon, au pire des cas, je peux parler comme ça, mais ça va être un peu chiant. On dirait surtout que t'es dans une grotte. Amine lo santi. Oh, mais ça va trop bien avec l'intro de la musique. Oh, merde. Mais bien, cher frère. Oh, putain. Allons-y. Oui. Salut. Elle est mignonne. On va la garder. Je peux faire plusieurs fois, donc... Ouais. Continuons. C'est cool. Ça t'es à qui? C'est à toi. Ouais. Va avancer sur le parchemin. Alors du coup, 1, 2 et 3. Bah, du coup, en plus, tu peux récupérer des points de volonté en même temps. 1, 2, 3. Hop. Et du coup, je m'arrête là, effectivement. Je vide le puits. Et récupère le parchemin. 1, 2, 3. On se calme là-bas. On se calme là-bas. Tout va bien. Rassurez-vous, tout est sous contrôle. Du coup, tu peux mettre le parchemin dans une de tes petites cases. Et j'ai le parchemin.
écrit bien, donc c'est à moi. Bah moi je vais utiliser mes 2 heures, je vais avancer en 47. L'image elle est vachement claire quand même. Ou c'est mon tel? Non non, c'est comme ça, c'est parce que du coup c'est la caméra, c'est la caméra, c'est parce que elle est un peu particulière. Okay. Excuse-moi. Et toi tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu t'approches de Pollux pour potentiellement l'escorter, ou est-ce que tu viens vers moi pour buter les monstres? Il me reste combien de déplacements? 3. Ou est-ce que je prends des un petit peu points de force? Ouais, ou alors tu peux aller chez le marchand qui est là pour acheter des points de force. Ouais, je vais acheter. Bah, du coup, je me rapproche quand même, mais. Tu te rapproches quand même de Pollux, mais. Hop là! Bah, juste, il faut juste. Faudra juste faire gaffe aux événements. Je pense que ça sera pas le bon plan, peut-être, de faire pop des événements au cas où s'il y a des monstres qui pop en plus ou quoi, je sais pas. Là, moi, actuellement, je vais. Là, je me suis mis en 47 pour attendre le scrolls, en fait. D'accord. Comme ça, je vais solo le scrolls comme avant. Et on attend la fin de journée. Voilà. Et après, on verra pour l'événement. Là, on va finir la journée, je pense. Comme ça, les monstres vont se déplacer. Et. On est bon? On est bon. Bah, je vais acheter. Ah, parce que je te les donne, tu me les rends, je te les donne, tu me les rends. Ça s'en va et ça revient. Et du coup, bah, c'est moi qui finis la journée de nouveau, je crois. Ça fait 2 PO. Bah, du coup, je pense. Ouais. Du coup, ouais, c'est toi qui finis la journée. Du coup, je finis la journée. Comme d'hab. Alors, par contre, moi, du coup, je suis sur un puits, donc le puits va pas se réhydrater. C'est dommage. Par contre, tu vas se réhydrater. Ouais. Très bien, du coup, le scrolls avance en premier. Et comme de parmesan, tu sais, ils ont niqué le puits qui est là. Voilà, et du coup, lui avance là. Oui, tout à fait. Et lui, on l'avance ou pas? Quand une journée est finie, c'est ça? Bah oui. Oui. Ouais, voilà. Et du coup, il y a un événement qui pop quand même. Oui. De sombres nuages cachèrent le soleil. Les héros ressentirent une profonde fatigue. La case 10 de la piste du temps ne peut pas être utilisée durant cette journée. Posez cette carte près de la case concernée de la piste du temps. Retirez-la. Voilà. Jamais, vous la faites jamais. Bah non, on l'a fait. Tu veux qu'on la retire? Attends. retire-la du jeu, STP. Ça va être compliqué. Sors le cutter, Mireille. Très bien. Du coup, je commence la journée par un petit combat face à un Scrolls. Ouais. Tranquillou, bilou. De bourrette. Hein. Et le Scrolls, du coup, lui, il a 12. Non, 6 de base. Oui, Scrolls. C'est ça. Il a 6 points de vie. Et 6 partout en fait. Du coup, moi ça fait 10. 10. Ça va, c'est pas non plus. Ouais. Ça va. C'est égalité. Voilà. Il ne se passe rien. On se regarde comme ça. Voilà. Salut! Ça te dit de fight? Ça, on est là. On peut pas! Tu sais, t'as juste la musique. Tu sais, t'as juste le fight avec la musique. Et de... les gars, ils sont comme ça. Ils font des allers-retours comme ça. 6, 14. 9. Ça fait 5. 5, ouais. 1 encore. Non, mais là, c'est la fatigue. Ça va bien se passer, Mireille. Ouais, de toute façon, ça se rapproche des 23h. Ouais, là, on va. De toute façon, on arrête la partie là. On finit la partie là. On coupe le stream. On ira manger tranquille. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Sync, ça fait trise. Oula, j'ai peur qu'il tombe. 5. Bah, du coup, c'est ça, 11, 6, ça fait 2. It's okay. It's donc, gay. It's okay. Ah okay. Okay. Et du coup, je vais prendre. Okay. 2 points de volonté et 2 pièces d'or. Voilà. Tu commences à connaître Michel. Voilà. Du coup, c'est un toi, Pollux. Eh oui. Et donc moi, je vais courir avec mes jambes. Cours, c'est mieux qu'avec ses mains. Bah, du coup, tu vas limite faire ta journée en un coup, quoi. Je vais peut-être m'arrêter chez le marchand si c'est ça me fait pas. Alors attends, 1. Non, bah tu vas quand même te rapprocher du pont, du coup. 3. Ouais, 4. Je vais faire ça. 4. 4. Et du coup, je vais dépenser tout mon argent pour m'acheter 2 points de force supplémentaires. De force. Bon.
Ouais, c'est dommage. Hop, voilà Gertrude. C'est à toi. Très bien, Ginette. Bah, moi du coup, je vais aller. Il me reste combien d'heures? Bah, j'ai toute la journée. T'as toute la journée encore. C'est à toi, tu te réveilles là, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller jusque là-bas. Et je vais t'attendre. Ouais, vous allez faire un combat, voilà. Ça va être tranquille. Calme. Oui. En plus, c'est un gros rôle. On va non, c'est à moi du coup. C'est à toi du coup. Bah, du coup, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Romain, du coup, tu entames le combat. J'espère que ça va être safe. En cumul, on a combien en fait? Oh, la musique là, elle aurait dû y aller quand on était en train de combattre. Bon, vas-y, je vais laisser à 5. 5. Donc t'as 8 plus 6. Ouais, ça fait 14. 11. 14. Donc on est à 19. Plus 6. 25. 25. Oui, à mon avis, on lui a pété la gueule. Ouais. En plus, c'était un tout petit. Ouais, c'était un petit. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Bah, moi je pense que je vais aller me chercher. Je peux tout prendre. Moi j'ai 6 pièces et j'ai 19 en volonté. Moi je vais prendre. T'as combien? Moi j'ai 6 pièces d'or et j'ai déjà 19 en volonté. Tu peux tout prendre le loot. Hein. Vas-y, je vais prendre que des pièces et après je vais aller au puits. Donc 2 pièces. Non, moi j'irai tout de suite à la. Si j'ai la possibilité d'y aller. Non, j'aurais pas y aller. En fait, le jour où je jouerai avec vous, je connais le jeu par cœur. Ouais. Bah, du coup, ouais. Je pourrais pas y aller dans cette journée. Ou alors je perds 2 points de volonté. On va faire rien. T'as le time, y'a rien pour l'instant. C'est à qui le tour? Du coup, c'est toi qui as annoncé. Donc c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il te reste encore 2 heures. Ouais. Je vais me mettre en 44, ce sera un peu plus stratégique par rapport à ton arrivée s'il y a un monstre dans le coin. Okay. Et je fais rien d'autre. Du coup, moi je finis ma journée. Au dodo. Moi. Je vais aller au puits. Très bien. Donc tu peux augmenter 3 points. Et moi je finis ma journée aussi. Moi du coup j'ai fini aussi. Très bien, on peut avancer le petit pion. On peut recharger ce puits. Oui. Celui-ci ne se recharge pas. Ouais. Tu prends l'événement. Pas celui-là je crois, c'est doré ça. On va rester sur les argentés. Enfin, je sais pas, parce que c'est pas dit, c'est les événements, mais... Je sais pas, bon, on reste sur les argentés pour aujourd'hui. Hein. Bah ouais. Si on a fait, si quelqu'un connaît dans le chat, si vous connaissez bien les règles d'Andorre, est-ce qu'il faut mélanger toutes les cartes événements ou est-ce qu'il faut prendre toutes les cartes événements qui existent, argentés, dorés, du lac sacré, de mes couilles, voilà. Dites-nous. Du coup, de la nourriture avariée, le groupe perd un total de 3 points de volonté. Vous décidez collectivement comment vous répartissez les pertes. Bon, à chacun. Bien. Qui s'est caché dans le potager? Bon ben, moi, c'est à toi, Pollux. Pollux de commencer ta journée. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, est-ce que je peux pas tracer jusque si, tu veux, si, c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Finis-nous cette journée. Finis-nous cette quête. Vous allez direct au N. Oui. Voilà. Donc c'est bien ce qui était indiqué. Ici, hein. Donc on rappelle, donc mission, le parchemin doit être apporté à l'arbre des champs, case 57, avant 57RPZ, avant que le narrateur n'atteigne la case N de la vie des légendes. Si le parchemin est amené à la case 57, la légende se termine direct. Immédiatement. Et le narrateur est tout de suite avancé sur la case N. Et donc, j'ai un truc à lire. Tu as la dernière case, effectivement, la dernière case à lire. La dernière carte. Oui, bah c'est un peu pareil. Et donc. Oh la musique, elle va trop bien! Elle va trop bien! La légende se termine bien si le parchemin a été rapporté sur la case 57 et si le château a été défendu avec succès. Grâce aux héros d'Andorre, les gardiens de l'arbre des champs furent avertis à temps et de nombreuses vies furent sauvées. Le peuple reprit espoir. Cependant, beaucoup murmuraient ce que n'était que le commencement.
et que les héros seraient confrontés à de bien plus terribles menaces. Et après, il y a écrit un truc en jaune. Voulez-vous à présent jouer la prochaine légende? Non. Non, effectivement, on va s'arrêter là. Ah ouais, t'as la bonne terminaison que vous avez fait et la mauvaise. Ah bah oui, la mauvaise du coup. C'est quoi la mauvaise? Vas-y, Niluna. La légende se termine mal. Si le parchemin n'a pas été apporté sur la case 57, ou si le château n'a pas été défendu, essayez encore. Enlevez tous les pions et jetons du plateau. Remettez vos points de force à 1 et vos points de volonté à 7. Le héros au rang le plus bas place sa pierre du temps avec sur le coq et son pion sur le château. Tous les autres posent leur pierre du temps sur la case levée du soleil et leur pion sur la case correspondant à leur rang. Ensuite, vous commencez simplement au paragraphe 5 du livret de règles d'introduction. Ouais, c'est la merde quoi. C'est, voilà. C'est la en gros, tu recommences tout. C'est la main noire. Exactement. C'est la main noire. Très bien. Ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On va couper le live, tout ça. On va aller manger puisque on est affamé. Oui. Oui.